Attends, il y a Gab qui arrive. Hein? Hello Gab! Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast, épisode 171! Salut! Hey, 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 171! T'es arrivé direct sur un du countdown en plus. Ouais, tabarnak! Good job! Timer. Good job! On va voir si ça fonctionne ton micro. Ça va, Gab? Ah, bon, ça marche pas. Ça marche pas, regarde, hostie. Ah, il y a Alex aussi. Salut, Alex. Salut, Alex. Tabarnak. Yo, what's up, tabarnak. Est-ce qu'il y a un bon micro, lui? Non, ouais. Faut que je baisse mon son. Calisse. Il s'est acheté une trolley de SM58 pour faire du podcast. Il y en a genre 5, ça a dû coûter 1000$ de micro. Hey, je vais en avoir des nouveaux micros. Des nouveaux? Ah ouais, tu vois qu'il était passé bon, ceux-là. Je vais avoir des pod mic, man, de Rode. Ah, c'est vrai? Ok, c'est bon. Ah, oh, oui, yeah. Ben, en tout cas, je vais en avoir un pour tout de suite. Ma blonde m'en a acheté un pour ma fête. Malade. As-tu pris le chèque d'allocation parentale pour acheter ça, mon esti? Ou... Non, on ne le reçoit pas encore, ça. Ah non, OK. Il a l'air déçu. Ah non, calice. J'avais pas fait mes impôts, j'étais super à jour. C'est pas ça. Ta caméra est donc bien loin, toi, Marco. Ouais, je sais. C'est ben, ton parce... beau décor. De... Ouais, c'est parce que normalement, j'avais ma On dirait qu'on a tombé sur une mauvaise vidéo sur Chatroulette, genre juste ouais, que. Tabarnak, c'est qui ce dude-là? Ouais, ben c'est quoi? Qui... De se mettre à poil pour se crosser son divan. Ah, ouais, ben c'est parce que en fait, c'est l'appareil photo de ma blonde qui prend aussi des vidéos, qui est plugé sur un trépied plus loin. Parce qu'avant, j'avais la caméra qu'on utilisait pour le podcast, qui est après l'équivalent de la grosseur d'une GoPro pour le monde qui écoute et qui l'ont jamais vu. Puis je pouvais la clipper après mon écran, mais là. Si je mets ma caméra d'ordi, ça va être le Vietnam. Ça va être encore pire que celle de Gab, là, tu sais. Hey, Gab, on, okay. Ah, on t'entend-tu, Gab? On t'entend pas? Non, on t'entend pas encore, Gab. Correct, gosse, au pire, c'est pas... Ben ouais, gosse, là-dessus, on va commencer. Grave, ouais. Ben, en tout cas, c'est ça, l'épisode 171, hein, gosse, c'est commencé, vu que je l'ai dit. ben, ouais, dans le fond, tu veux-tu plugger notre Patreon, Philippe? Ben oui, Marco. On remercie tout le monde qui donne de l'argent à tous les mois, hein, comme d'habitude. On est bien contents, hey, sérieux. On nous entend pas, là, sur le live, hein? Ouais? On nous voit pas, on nous entend pas. Ben, on nous voit, non, on nous moi, voit. Moi, je vois sur le live, là. On nous voit, puis t'as une minute, je vais juste monter mon son. Le son, il est là, puis on... Oh, ouais. On voit, puis on entend. En tout cas, moi, personnellement, je vois... Toi, le problème, c'est pas moi. Ah, c'est ton ordi de cul, ouais, quoi. Ouais. Allez, arrête de t'acheter des micros, ben achète-toi des speakers. Est-ce qu'il se calme? Moi, j'écoutais lui qu'on était en direct. Non. Ah oui, OK. Non, j'ai essayé. Mais je pensais de l'avoir enlevé, mais peut-être que je l'ai pas enlevé. En tout cas, anyway. Non, tu l'as publié, mon gars. Non. Ah, je l'ai republié. J'ai boosté la publication. Yeah! D'argent sur le boost. Je viens de payer 50$ pour celle-là. Ça serait malin. Oui, ben, c'est ça. Ben, nos Patreons, on va remercier Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Tourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval qui écoute en ce moment. On te salue, mon chum. Allô, mon chum! Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet. Puis une nouvelle addition, on a l'humoriste Faf qui se rajoute à nos Patreons. Yes. Et voilà, ouais. Ben, merci, Faf, pour ta pièce. Carlis, ça fait du bien, c'est gentil. Live, avec Faf? Ouais, c'est vraiment nice pour eux. C'était vraiment cool. C'était le dernier podcast avec Faf, c'est ça? Non. Non. C'était, on était sur sa page, en fait, à lui. Il fait des il fait Faf and Furious avec son ami GF. Jean-François Otis, exact. Puis non, ils nous avaient invités à venir faire le live avec eux autres. Mais eux aussi, sont venus le 3-4 épisodes, je pense. OK. Ouais. Mais ouais, c'était super le fun pour eux. C'était super le fun. On encourage tout le monde à l'écouter ça. C'est bien drôle. Les deux gars sont punchés. Puis ils me sortent des conversations avec le monde. Puis Faf est assez bon pour relancer la balle, je te dirais. Fait que, en tout cas, j'invite tout le monde à l'écouter ça si vous ne l'avez jamais écouté. Oui, Faf and Furious, quand même cool. Ils reçoivent des fois des. Il y a quoi qui s'en vient déjà, lui, de son bar? C'est genre. Only Faf. Fait qu'il va juste recevoir du monde qui font du OnlyFans. Puis genre. Parler avec eux autres. Sur son Faf and Furious aussi, il avait reçu Marc Boilard, il avait reçu
JF Mercier aussi. Il allait recevoir une porn star. Finalement, il a décidé de nous avoir à la place parce que l'autre a choqué. Non, c'était déjà prévu depuis un bout. Vous avez remplacé une porn star, ce serait mal. Ouais, hey, c'est décevant en esti, hein? Tu penses voir, je sais pas, un genre de deep throat de dildo, finalement, ouais, juste moi puis Marco. C'est les deux fuck-all du podcast que vous connaissez pas. Ah ouais, ah, mais Chris, c'est le fun. On pourrait recevoir Vandal Vixen au podcast. Vandal Vixen, ouais. Non, ouais, après escorter ce show à Marco. Ben, pourrait, ça pourrait être intéressant d'avoir une porn star. C'est une industrie qui est... que je. Ben, tu sais, je connais pas. Ben, ouais, mais tu sais, je consomme ça, mais tu sais, je connais pas tant l'envers du décor et toutes ces affaires-là. Là. Fait que ça, c'est... ça peut être des anecdotes intéressantes. Moi, je trouverais ça quand même intéressant d'avoir une porn star. Là. Je serais dans. Ouais, ouais, c'est clair. Mais, ouais, c'est sûr. Ça pourrait être nice. Ouais. Ben oui, c'est les boys, avez-vous une grosse semaine, fait de quoi spécial? Et Gab, si jamais son micro marche. Ouais, t'as une minute, Gab, parle donc pour le fun, voir si ça marche, toi. Yeah, non, ça non, marche mais... pas. Yeah. Faut-tu que t'actives ton micro n'est pas activé. Ouais, ben, elle vient de le muter. Ouais, là, parle donc. Ah non, là, non. C'est... Si c'est lève, ça marche pas, mais... Ouais, non, c'est pas des fois de revenir, ça peut marcher des fois si tu quittes et tu reviens. Ben Max, si t'es down, tu peux comme juste traduire sur les lèvres de... Ben, je viens de me rendre compte que j'avais comme un talent inné de lire ses lèvres, c'est capoté. Ouais, fait toute la game, toute la longue, tu vas être le traducteur. Sans cam, ça va être un peu difficile, pardon. En tout cas, je niaisais, là, je vais pas l'accepter, parce que moi, il faut qu'il l'admette pour qu'il revienne dans la conversation. Ben oui. Hey, guys, on joue-tu un petit jeu qui s'appelle Chuck That Shit, pour commencer ça comme il faut, Calis? Moi, j'ai un anecdote guys. Let's go. De quoi? J'ai une anecdote d'autobus. Ah ouais? Ah, let's go! Bon, ben, check that shit, guys! Cheers! Cheers, tout le monde en maison! J'ai plus trop vite, cheers! Il me reste pas grand-chose, mais je vais faire avec ça. Ben, non, pour revenir à la question, moi, Marco... Moi, c'est une style guerre, sûr, la merde. Tu te demandais s'il y avait des choses qui s'étaient passées cette semaine? Ouais. Moi, j'ai appris cette semaine que j'étais officiellement vieux. Puis, attends, je vais vous montrer. Faut que je vous explique. Fallu que je m'ajoute ça. C'est quoi? Faut que je prenne ma tension régulièrement. Parce que je fais de la tension artérielle. Oh, tabarnak! C'est quand même drôle, voilà. Faut que je lâche les chips, faut que je lâche la bière. Oh la non! C'est les affaires que j'aime le plus au monde. Chris, faut que je non! Mais après, vous boivez des vodka Perrier de coup de même, là. Ben non. Oui, esti. Ben oui. L'affaire pour ta pression, faut que si tu as comme un petit bracelet, tu te mets autour du bat ou. C'est pour calculer ma grosse veine, voir si le sang se rend bien. Ben oui, c'est. Non, c'est la même affaire là, que les infirmiers mettent là, quand ils prennent autour la pression, là, genre autour du bras, là, puis là, ça. Pff, puis, ouais, comme chez Jean Coutu. Ouais, le même principe. Right. C'est juste que là, j'ai pas besoin d'aller chez Jean Coutu, je l'ai à la maison. That's it. C'est quand même, non, mais c'est un avantage dans le fond, vieillir. T'as pas besoin d'aller chez Jean Coutu à cette heure pour aller. C'est ça. Hein? Oh, wow. Ouais. Hey, toi, Alex, t'avais une anecdote de. Es-tu là? Il est parti. Il est parti, beau mire, parce que sa bière, la bière, ça pique dans le nez. Hein, mon Alex? Oh. Ouais, Gab, je pense qu'on t'entend. Ouais, on a entendu des échos de voix. Oh my god. Oui, on t'entend. Oh my god, let's go. On t'entend mal, mais on t'entend. Bravo, Gab, asti. Bravo, Gab. Yes, sir. Hey, avant que j'oublie, by the way, je voulais juste montrer pour ceux, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, là, en tout cas, on a nos nouveaux t-shirts, asti, en vente à partir de maintenant. Ben oui, on les a reçus. 100 piastres. 200 000 milliards. C'est en cachemire, cette affaire. T-shirt, là. Ah oui, on va te dire, on a tué des hommes pour faire ça, ces t-shirts-là. Ça a une valeur. Non, ben c'est ça, on a ça à vendre, dans le fond, on marche super simple, c'est par Messenger, puis c'est 30$, c'est 25$ le t-shirt avec un 5$ de shipping. Vous devez juste envoyer un message, hey, un rot en plein milieu de ma promo, aussi. Yes sir. Ça coûte mais, même pas 5$ envoyer un t-shirt aussi. Mais non, je le sais, ça vaut pas une crise de scène, c'est okay. Moi, sais-tu combien que ça m'a coûté ce chandail-là? 1$. Putain, mes calices. Oui, on t'entend, oui. Ouais, mais c'est vraiment en bas comme son. Okay. Ouais. Tu parlais plus fort. Je sais même pas où le micro là-dessus, Carlis. T'as-tu tes écouteurs avec un micro dessus? Non. C'est pas grave. On t'entend quand même un peu. Ouais, peut-être dans tes paramètres.
Les paramètres, Gab. C'était les paramètres. Les paramètres. Oui. Je pense que je serais pas capable de rester. Comment ça? Raconte-nous ton crise d'anecdote. Mon bébé, il est... Il est mort? Ouais, puis là, je suis tout seul. Tabarnak! Il est quoi? Fait que je vous laisse là-dessus, puis si je suis capable, je me reconnecte plus tard. Et voilà, ah, crise d'anecdote de boss. Ciao. Laisse-tu broyer, esti? Non, je laisse pas broyer mon bébé, esti. Je suis un bon père, tabarnak! Vas-y, bon Alex, cul. Esti! Un shot de whisky, là. Mais allez, tout chier, calice! Sauf si tu es un chier! Bye, tabarnak! Tu dis recette à la petite, esti, c'est le fun que tu sois un père. Tiens, je suis pas capable de toucher. Comment ça va, Gab? Ça va bien, là, ça marche. Ouais? Oui, ça va. Bien! Yeah. Bon, t'as passé une belle semaine? Oui. Sur mes comment... ouais, c'était le moment le fun du podcast. Ben oui, c'était un highlight, ça. Comment t'as aimé ton dernier épisode avec nous autres que finalement, à Calis, on s'est rendu compte que mettre le mot « porn » dans un titre pendant une pandémie, ça attire tout le monde comme du miel, le style, pour les mouches. Calis. Vraiment le fun. Puis des fois, je le réécoute puis j'oublie à quel point on peut dire des niaiseries. Ouais. Ben, ah, c'est la beauté. C'est la beauté qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute. Puis en même temps, ceux qui écoutent, je pense qu'ils apprécient ça. Ben oui. Est-ce que j'étais là la dernière fois que vous avez fait ça? Ou... Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Ça fait longtemps quand même. Là. Ça fait un bout. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Vas-y. En mai? Je sais pas. Je pense que ça ressemble à ça. Ouais. C'était pendant la pandémie. Que t'étais commande, genre. Exact. C'était vraiment nice. Ouais, j'avais hâte de revenir. Ben oui, je suis pas content que tu sois revenu. La dernière fois, tu pouvais pas. T'avais un chalet. Oh! Ouais, ça a-tu bien été? Ouais, je m'en allais faire un trip à trois dans un chalet. Ah ouais, bah ouais! Ouais! Wow! Let's go! Ah ouais, Chris! Moi, je pensais que c'était une fête seule. C'est moi la porn star que vous invitez sur votre show. C'est ça! Il y avait des. T'es rentré, puis finalement, il y avait genre un scénariste, puis t'as fait. Je sais plus là, Steve! Avec une grosse moustache. Et comme. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, faut que tu t'écartilles le cul, pis t'es comme « Non, là, attends une minute! J'ai pas signé ça, là, moi, là, c'ti! » Comment c'était, en fait? C'était vraiment nice, mais c'était ma deuxième galipette à trois. Ouais? Fait. OK. Ouais. Pis là, c'était une belle vie, pour vrai. Je te lève mon verre. Tabarnak! Et on n'a pas le même confinement! Qu'est-ce qu'on n'a pas le même confinement? Hey, hein, dire, au début du confinement, on a fait le centurion tous ensemble. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. À la fin du centurion, j'étais crispée en soule, puis je m'étais fait un Tinder, puis depuis ce temps-là, je peux te dire que je suis pas tranquille. C'est que le confinement... Ah ouais? Un quoi t'as dit que t'as fait? Tu t'es fait un quoi? Un profil Tinder. Ah, j'ai compris, un profil fiddler. Là, je suis comme, Chris, c'est quoi? C'est pour aller faire de la gig? Moi, là, je comprenais pas. C'était, OK, Tinder, all right, cool. Puis ouais, ça fait que ça marche bien. Ouais, j'ai plein de péripéties. Je m'ai même fait un groupe sur Instagram avec mes amis. Puis ça s'appelle les épopées sexues. Fait que c'est juste moi qui écris toutes mes tripes de cul là-dessus. Ouais, oh, wow. As-tu du BDSM puis tout? Ouais, ben le premier trip à trois, c'était ça, BDSM, ouais. Puis c'était le porn star que j'étais la coupe principale, si on peut dire. Ah ouais? Ouais. As-tu, genre, humilié des gens? T'as eu le premier rôle, c'est-tu? Non, j'ai pas humilié personne. C'était vraiment sérieux, c'est respectueux plus que je pensais, là. T'as-tu le droit de pisser sur le monde? Mais mettons, Marco, c'est juste dans tes fantasmes. Ah, OK. Ben, je me suis jamais fait pisser sur le bat, mais j'aimerais ça. Juste sur le bat. Oh, man. Pendant qu'il faut, genre, elle pisse. Ce serait weird. C'est quoi le jet chaud pis fort sur mes gosses? J'aime ça. Il y en a qui aiment ça, hein? C'est sûr. Ben oui, c'est clair qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça se faire chier dessus aussi. Tu sais, ça rajoute de quoi, j'imagine. Mais... Oh, ouais, c'est clair. Mais évidemment, je ne vais pas comparer ton trip à trois avec ce chier dessus. Là. Comment c'était? C'était-tu genre... C'était je sais pas. C'est ben, pour la question. Première fois, là, c'est pas comme stressant. Mais c'est pas comme un one night. Tu sais, t'arrives pas, puis genre, ah ouais, on se déshabille, puis on se fout. OK.
t'apprends à checker la vibe. Ouais, non, tu check la vibe, tu parles un peu, puis à un moment donné, ça se donne. Là. C'est sûr qu'au début, c'est malaisant parce que c'est trois. Mais. Ouais. T'écoutais quoi comme musique pour te mettre dans la vibe, mettons? On a écouté du porn au début, puis après, ça, on a mis de la musique, mais je me souviens plus parce que j'avais d'autres choses à me concentrer. Ah ouais? Genre deux graines. Non, c'était une fille et un gars. Ah, ok. C'était vraiment. Vraiment ça a l'air moins rough de même. Ouais. Non, étonnamment, avec ce qu'on a fait. Ah ouais? Ah ouais, j'avoue. Si t'avais une laisse, ça reste rough un peu. La laisse. Mais c'était vraiment nice, par exemple. Ah oui? Tant mieux. Ouais. Ah ouais, je comprends beaucoup. Je suis content si tu as eu du plaisir, regarde. Oh. C'est vrai, salue, ça. On salue Marc-André Viau, s'il écoute, il doit être content. Je pense pas qu'il écoute. Ben, il va sûrement finir par l'écouter, mais ben, m'en calisse, hein? Ben ouais, c'est facile. Oui, John, adulte responsable. Exact. Ouais. Est-ce que tu veux? C'est vraiment cool, là. T'es rendue collaboratrice sur le journal d'un podcast? Oui! Ouais. Allez écouter ça, tout le monde. Il y a Suzanne qui fait Suzanne. Des podcasts. Oui! Ah oui, c'est vrai. Suzanne ou Suzanne? Parce que je n'étais pas sûr. Là. Suzanne. OK. Ouais. Ah, c'est Suzanne. Oui! C'est drôle en tabarnak comme ouais, personnage. C'est mon nom, puis à date, mon créneau, c'est le sexe. Là. Je fais juste parler de cul, puis j'instruis les gens. C'est pas si intéressant, même moi, j'apprends plein de choses. La prochaine affaire que je vais faire, ça va être le. La gerbille. Non, je vais donner un cours sur le bandage. Genre, bandage, ouais, ouais, ouais. Ils sont attachés. Quand t'attaches le monde, ouais. Fait que je veux instruire les gens comment faire une pratique saine et légite, dans le fond. Oui, c'est cool. Ouais, ben oui. C'est quoi que t'es fan ou? De faire la bandage ou faire le podcast? Non, vu que tu parlais de bandage, je me demandais si c'était quoi que t'allais t'instruire là-dessus ou si c'est genre de quoi que t'aimais faire. Genre. Ben, je l'ai essayé puis c'est vraiment nice. Fait que je me dis pourquoi pas instruire les gens. Ouais! C'est vraiment c'est clair. Le sujet est intéressant, le sexe, puis souvent le monde est mal à l'aise d'en parler, mais genre, ouais. Je sais pas, c'est intéressant. C'est ouais. Moi, c'est mon père là, qui me rend mal à l'aise. T'sais. Il essaie de me montrer, quand j'étais jeune, t'sais, il essaie de me montrer à me crosser, puis tout ça. Puis genre, comme au début, c'était correct, mais genre, quand il m'a venu d'en face, pour vrai, c'était weird. As fuck, man. Est-ce qu'il t'a demandé d'avaler, par exemple? Non, c'est mon père. Alors, il a pas tombé enceinte. Non, il est allé smoke là, pour la première fois. Là, il a mis de la porn, puis c'est de la musique. Tu sais. Comme ouais, les gens normaux font. Oui, et normalement, tu mettrais genre du Barry White ou quelque chose comme ça. Là, c'est assez cliché. Là. Lui, je me rappelle qu'il avait mis genre du Blink-182, ce que je trouvais cool parce que moi, j'aimais ça. Fait que je trouvais que mon père était à l'écoute. Ah, moi, tu vois, il avait mis la soundtrack de Basket Spatial, vu que ça avait jamais bien le film. C'était, c'était I Believe I Can Fly de R. Kelly, genre. Ah oui, R. Kelly. Ouais. Oh, oui, ben oui. Nice. T'as-tu écouté le film? Genre, y avait-tu comme Bill Murray qui jouait avec Michael Jordan, puis t'es venu sur pas, genre? Ben, je me rappelle pas vraiment. Là. Pour être bien honnête, là, je me rappelle juste que j'avais peur. En parlant d'R. Kelly, avez-vous écouté le podcast, pas le podcast, mais le documentaire sur R. Kelly sur Netflix? Non, je l'ai pas écouté. Man, quel esti de malade mental. Il y avait genre une maison, je skip là, le documentaire un peu, là, mais il y avait genre une maison avec genre, mettons, 19 chambres. Puis dans 19 chambres différentes, il y avait une fille que c'était sa blonde. Mais genre, dans le fond, comme chaque fille n'avait pas le droit de sortir de leur chambre, puis lui, il couchait avec toutes les filles une fois de temps en temps, puis en tout cas, c'est un esti de malade mental. Ah, ça a l'air des logements, mais les filles étaient séquestrées, Carlis. Ouais, exactement. C'est à voir. Enfin, c'est à voir. Ça dépend de vos goûts. Oh, il a fait des films. C'est une comédie romantique, c'est pas vraiment le choix que je conseille. J'ai juste done ça, puis 50 First Dates. Ouais. Très déçu. Il est où, Matthew McConaughey? Ce serait quoi votre comédie romantique préférée? 50 First Dates. Ouais, on va dire que c'était bon. Comment dire romantique? Attends, comédie romantique? Une drôle de question, je sais pas. Ouais, c'est un.
C'est une bonne question, Mathieu. J'aime ça parler de films. Ouais, toi, Matt, tu dois en avoir resté au moins une vingtaine, là. Ouais, moi, c'est deux filles dans un bar à Carignan. C'est bien, ouais. Ah oui, ça, c'est bon, là. Les deux épargnes. C'est vrai que une prémisse de porn. Genre, moi, là, mon film, ouais, mais c'était ça, c'est deux filles sont dans un bar. C'était ça, la joke, mais finalement... Oui, c'est avec des moyens en esti comme joke. C'est drôle. Je pense que ce serait... c'est Pitch Fever, je pense. Un genre de film de baseball avec Jimmy Fallon puis Drew Barrymore. Ouais, 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 c'est bon, ça. C'est bon, Chris. Ouais. Toi, Gab, c'est-tu un peu BDSM comme comédie romantique? C'est-tu genre la liste de Schindler? Blade Runner. Non, t'as pas de film préféré? Dans ce style-là, non, j'ai pas. Non, tu t'en crisses. Ben, de comédie romantique. Parce que je suis vraiment blasée de l'amour en ce moment. Ah ouais? J'ai mes pratiques, fait que non. Non, tu sais bien, tu sais bien. Faut t'en profiter. Ouais, t'es longtemps en couple avant ça? T'étais quoi, genre 7-8 ans en couple? Non, depuis que j'ai 16 ans, fait que genre. J'ai 27. Fait que t'as eu t'étais genre 10 ans en couple? Ouais, beaucoup trop longtemps. Pas avec les mêmes personnes, par contre, mais tout ça, les longues relations. Puis là, ben, c'est ça. Je suis seule, puis je m'amuse. Puis ah, tu as un bon temps pour fourrer. Là. Ben oui, ben oui. Ah, ça ouais, fait ouais, du bien. Ouais. Alex, qui revient, Esti, c'est quoi ton bébé? Esti, c'était fini, ça? Là? Le trip est fini, Esti? On laisse faire le bébé? Après un rétro, l'énayé. C'est quoi finalement ton anecdote de boss, Alex? Ouais, cette semaine, j'avais un genre de wannabe thug là, ici en arrière de mon autobus là, qui faisait de l'attitude à d'autres jeunes. Il avait quel âge? Il y a quoi, 13, 14 ans peut-être? Okay. J'aimerais aussi que ce soit excessif. En tout cas. Ah, et puis là, en tout cas, il a voulu se lever genre pour se battre avec d'autres jeunes dans l'autobus. Puis là, moi, bien fier, assis à mon banc de chauffeur, j'y ai crié de se rasser, puis tout de suite. Puis là, il s'est mis à chialer qu'il faudrait bien que tout le monde se ferme leur gueule, puis tout, parce que là, il se sentait insulté. Mm-hmm. Puis j'y ai dit qu'il pouvait se la fermer, lui, avec. Puis en tout cas, la réaction de l'autobus, mon gars, là, tous les jeunes se sont mis à crier « Wow! » Oh, wow! C'est clair. Tu m'as senti comme quand j'étais kid, puis tu sais, tu fermes ma gueule à quelqu'un. Ferme donc ta gueule, le fif. Mais, honnêtement, je t'aurais comme chauffeur d'autobus, ça serait cool, tu sais. J'ai fermé la gueule à un jeune de 14 ans. Ça serait hâte que c'est là qu'on apprend que tu chauffes les boss de la STM. Ça serait fou. Il y avait juste un petit gars qui niaisait, puis là, tous les adultes ont ri de lui. Et non. Moi, c'était bien drôle. C'est clair. Fou. C'est il a dû fermer sa gueule, c'est un connasse de temps. Ouais. C'est le côté le fun d'être chauffeur d'autobus, tu sais, que t'as un peu leur droit de leur dire de se fermer la gueule. T'as pas le même contrat pédagogique, mettons, qu'un prof. Là, mettons, ouais, c'est là. Ça. Non, c'est clair. C'est clair. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon chauffeur d'autobus était bien fin, mais il était prime en tabarnak. Puis à un moment donné, on arrive dans la cour du secondaire, puis il y a genre un jeune qui lance une balle de neige dans sa fenêtre. T'as jamais vu un gars qui risait ça sur le parc aussi vite que ça, mon gars? Il est sorti du boss, man, il a couru après le jeune. Puis tout le monde était comme, OK, c'est ben trop over the top comme réaction, esti. C'est juste une calisse de balle de neige, tu sais. Man. Mais en tout cas, moi, ça me faisait rire dans le boss en esti. Ouais, c'est arrivé, moi, avec, je pense, quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est moi qui ai vu ça ou quelqu'un qui me l'a raconté. Je suis pas trop sûr si je me les souvenirs, là, mais genre un enfant, c'est genre au primaire, qui a fait un fuck you à un gars dans un char. Le gars dans le char, il a fait « Non, c'est pas vrai que je vais me laisser faire un fuck you par un enfant. » Fait qu'il a coupé le boss, il l'a arrêté, comme, mettons, à GTA, quand tu veux voler un char, il est embarqué dans le boss, il a dit « C'est qui m'a fait un fuck you? » Chris de vie de cul, pareil. Là. On revenait, un moment donné, on revenait de Mont-Bruno aussi, puis on a vu un gars en train de se faire sucer, genre, dans son pick-up, dans son gros pick-up, genre. Puis là, tout le monde, on criait « Ah! » Le gars était comme « La fille, oh non! » Oh, wow. Mais le gars, il était tellement fier.
Le gars était fier, est-ce que ouais, c'était oh, drôle. Moi j'avais un ami, on jouait tout le temps au hockey après l'école, puis il y avait tout le temps un autobus qui passait sur ma rue. Puis genre, le premier jour, il fait un fuck you à l'autobus, rien se passe. Puis le deuxième jour, il décide de faire un fuck you au même autobus. Il reçoit le plus gros morpion de crachat ever, mais right dessus lui, c'était malade. Là. C'était genre... Il n'a plus jamais fait de fuck you à un autobus. Oh, wow. À un moment donné, tu sais, moi. Oh, man. Ah, mais hey, Alex, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu as eu à dealer avec des enfants quand t'as eu quand t'allais les conduire à l'école, là. Est-ce que t'avais pas des enfants qui lançaient des trucs sur les chars? Ah, ça a déjà arrivé. Ouais. Faut-tu se dire, est-ce que t'as déjà dealé avec l'automobiliste un peu en crise, genre, ou... Non. Okay. Non, ça peut arriver encore. Bon, oui, on mais quand que juste au secondaire, on pitchait des affaires dans les toits ouvrants, là. Genre des cœurs hey, ça, des... c'est rare, par contre, là. Ah ouais. On lançait ça direct sur le conduit, genre. Nous, on pitchait des tubes. Tu sais, genre les tubes. Là, genre. Ah ouais, je l'ai. Ça éclatait, man. C'était malin. Oh, wow. Oh, man. Ça, vous avez fait souvent ça quand vous étiez jeune. Mettons, genre, tu pognes juste un yop, tu le pètes à terre, puis pff, ça revole. Ouais, tout. Mais la semaine passée, ouais. Avec Phil. Ah ouais, ouais. On l'a tué, le gars, dans son Chrysler. Putain, mon tabarnak. J'ai appelé ça se vider le lunch, Steve. Putain, mon calice. Se vider le lunch. J'ai tué des mauvais coups dans l'autobus quand t'étais petit jeune, gars. J'ai juste pas mis de retenue parce que j'étais tout le temps debout et je voulais pas m'asseoir. Puis là, ma mère était curée. Fait qu'elle m'a dit t'as pas retenu. Mais c'est ça. Attends. Je me suis levée dans l'autobus. Je savais pas que les chauffeurs d'autobus ont ouais. Donné des retenues. Ouais. Oui, je suis restée après l'école pour recopier le dictionnaire. J'étais genre en deuxième année. Oh. Il me semble que je me serais fait dire ça par un chauffeur d'autobus. J'aurais eu l'impression de me faire dire par. Un garda que je roulais trop vite. Genre, ah ben, merci de ton opinion, tu vois. Mais c'est. Genre, ah, mais ouais, elle était vraiment intense, cette madame-là. Là. Elle aimait pas la vie, je pense. Elle était tout le temps en tabarnak. Puis, on n'avait pas le droit de, genre, mettons, pencher dans les allées pour parler. Ou pas le droit de te pencher dans les allées. Ouais, et ouais. C'était très intense. Fait que j'ai pas eu une retenue. Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait dans le film. Grosse vie, esti. Oh, yes, hein? Esti. C'est ça qui se passe dans le Nord. Ah, ouais. Moi, j'ai déjà mangé la marde d'un jeune parce qu'il me disait que c'était un hamburger dans le bus. Oh. Je l'ai regretté. Ça goûtait pas le steak haché. Ah, ben, moi pis Max, on a une histoire. Ben, on a une bonne histoire à compter qui s'est passée ben, sur notre rue, en fait. Là. Max habite en haut de nous autres. Il y a un policier qui est venu comme cogné à la porte, à chaque appartement de notre rue, parce qu'il avait trouvé des douilles de gun à terre. Genre. Des douilles de gun? Ouais. Il demandait si on entendait des coups de feu, puis tout. On était genre, ben, moi, je sais pas qui a répondu, c'est mes collègues qui ont répondu à la porte. Puis après ça, il demande ça, mais non, on n'a rien entendu. Mais dans le coin, c'est fréquent d'entendre des tac, 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 tac. Des fois, c'est des pétards. Des fois, c'est peut-être des guns. De quoi, des fois, c'est des pétards? Non, mais... le bruit est vraiment semblable. On le sait pas. Sérieux? Ouais, je sais pas. Des fois, loin, je sais pas c'est si c'est un pétard ou un soit du monde festif, ouais. Soit du monde en crise. Puis j'ai abandonné. Puis c'est ça. Là, cette semaine, c'est du monde festif. Là, cette semaine, il y a des douilles de guns à terre. Fait que les policiers font le tour du bloc. Ils vont tout derrière même. C'est parfait. Puis là, ils vont voir Max. Puis Max nous apprend que Chris, le gars, il tirait ses condos en avant. Ouais. Hein? Il tirait ses condos en avant de chez vous. J'ai dit au policier, genre, ah, ben, je suis trop à vous demander pourquoi vous me demandez ça, tu sais, genre, parce qu'il me demandait ce que j'avais fait dans la nuit, genre, dans la nuit du dimanche à 3h du matin, mais je dormais, monsieur l'agent. Il y a du monde qui chatait sur le condo, je suis comme. Ah, ça, c'est moi qui m'étais. Sur un condo. Il y a du monde qui tirait sur des condos. Parce qu'il y a comme des nouveaux condos qui se bâtissent en face de chez Matt pis moi. Ouais. Ouais, il voulait tirer sa bourgeoisie, tabarnak. Ouais, ils ont d'autres pas d'argent et ils le prennent pas. Et ouais, ils ont eu moyen d'avoir un investissement, eux autres, la gang de Steve Poole. Tabarnak, ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne, l'architecture. Mais ils sont même pas habités, en plus, ces collines de condos. Non, mais ça, sont habités. Non, non, il y en a, y a, la moitié sont habités. Ah ouais, pour vrai? Ils doivent capoter, est-ce qu'ils viennent. Oh, il y a du monde qui est là, là. On va économiser de l'argent, je suis là, c'est le fun. Bah, 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 qui se remet, tabarnak. Mais ouais, il y a un drive-by, est-ce ben ouais. C'est ça. Oh, la... man. Alors, quand c'est pas tôt. C'est le même spot, genre, où il y a plein de tentes à côté de chez eux, là. Genre, toutes les itinéraires de Montréal sont rendus là, genre, fait que là, il y a genre 50 000 tentes devant leur nouveau condo. C'est absurde. Ça se fait jeter dessus la nuit.
Attends, il y a des tentes pour les itinérants à cette place-là? Non, t'as pas entendu parler de ça? Comme tout l'été, genre les itinérants se sont comme ramassés sur le genre, tu sais, comme le petit parc, genre entre Notre-Dame, juste à côté de la rue Notre-Dame, dans le fond. Là. Ouais, genre, oui. Ils font tout le long. Fait qu'ils se sont amassés là, il y a plein de tentes, là, c'est comme. Ils revendiquent quelque chose? Ou... Tout. Le plein air en général. Ils revendiquent. Le plein air. Je sais pas trop, là. On revendique notre droit de rester dehors. Fuck la soupe populaire, tabarnak, ça donne le cul. J'ai même pas faim. On n'a pas fini de jouer, man. Le studio de soupe aux légumes à côté de la piste, tabarnak. C'est drôle. Mais c'est tout ce que j'ai fait arrêter, vous autres? Ben, en fait, on a parlé de ça sur le live à Faf hier, c'est ça qui m'a inspiré un peu. Là. Mais vous êtes-vous déjà fait arrêter ou avez-vous déjà eu de la merde avec la police, genre? Ben, plus jeune, les affaires d'étiquette. Là. Tu vas dans un parc, puis tu pognes l'étiquette ou tu t'enfuis parce que les policiers s'en viennent. Ouais. Puis la seule affaire avec Marie, sinon, pas grand-chose. Oui, c'est vrai, mais t'avais ton affaire avec le skate, est-ce que tu m'as conté, quand t'étais enfant. Moi, ça? Ouais, tu m'as conté ça l'autre fois. Et si, ouais, voilà. Attends, c'est moi, je me rappelle Que t'es resté dans la cour de quelqu'un. Ah, tabarnak! Tu viens ce soir-là? Ah, ouais, ouais. On était sur le moche ou on était sur. On était sur l'autre, là. Ok, c'est bon, parfait. Oh, ok. Ah, ça veut-tu l'enlever là-dessus? Ouais, ok. Je peux le compter. Ouais, mais quand j'étais. Ouais, mais la police n'était pas investie dans cette histoire-là, je pense. Ah, ok. Bon, laisse faire le bord. Ouais, non, vas-y, pareil, vas-y, pareil. Quand t'es un petit cul puis genre t'es influencé par des grands là, c'est cette affaire là. Il y avait un parc proche puis l'enfant, moi j'avais du skate, puis je connais, ben il parlait, j'avais 7 ans là. 6-7 ans. Donc. Puis là je vais voir, puis là il commence, sinon t'avais comme il y avait peut-être 9-10 ans, pas trop. En tout cas, il était cool. Fait que moi je les vois puis leur place, ils pop des clôtures, ils font du commando, man. Je suis genre, c'est cool faire ça. On va chez le monde, c'est terrain privé. Genre, tu bosses sur le terrain privé du monde, pis tu fous la merde. Ok, commando, moi, c'est juste pas avoir de bobettes en dessous de mes jeans, fait qu'on était... C'est vrai? Ouais. T'as entendu l'expression commando, genre, faire du commando, c'est genre, aller sur le terrain du monde, courir comme un fou, pis faire genre... Il y en a un qui avait pas de bobettes tout ce temps-là, pis il l'a juste pas dit, là. Il y a clairement quelqu'un à poil là-dedans. Là. Mais en tout cas, c'était ça l'histoire un peu. Puis ça, finalement, on va là-bas, puis on s'est payé par la mademoiselle qui a la maison. Puis là, moi, je suis en tabardac, je vais refocker. Puis c'était pas si pire que ça, mais c'est fait que là, on était parti se cacher en l'air d'une roche. Puis là, j'avoue la fille prendre mon skate, genre, hey, oh, tu prendrais pas mon skate, là, certain, là, c'est mon skate. Puis je suis genre, yo, je vais me dénoncer, c'est moi, je veux mon skate. Puis là, je suis allé la voir. Puis je dis, hey, c'est mon skate. Puis là, elle dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, tabardac? Puis je suis genre, hey, je suis un enfant, puis je sais pas ce que je fais, puis je commence à pleurer. Classique. C'est ça mon histoire. Oui, c'est sûr qu'elle t'a enlevé. Mais c'est quoi, elle a pas appelé ton père pis tout? Genre. Ouais, c'est mon père. Puis c'est ça, là. Tu chillais dans le salon avec son chum, genre. En attendant ton père. Chris, tu connais plus l'histoire que moi. Mais tu me l'as compté, mon fou. Ah, mais peut-être que, je sais pas, là, sous l'influence, j'ai peut-être une meilleure mémoire. Ouais, ben c'est sûr, c'est ouais, peut-être les stimulants à être. Là. C'était pas, ouais, c'est du weed qu'on fumait, là. Oui, c'est ça. Il neigeait pas, hein? Non, tu partais pas ça, tabardant, qu'est-ce que tu... Moi, on va penser qu'on choue, calice. On a ça, on est wild, mais pas autant que ça. On aime ça avoir du fun. À modération. Ben oui. Je pense que c'est bon à savoir, le monde. Ben oui. Une fois tu fais dans modération, c'est correct. Puis en tabac. Quand ça arrive, c'est beaucoup. Ça coûte cher. De temps en temps, un petit 80$, et voilà, ben du fun. Ben oui. T'en as pour 80$. On pense pour le lendemain, puis ah oui. Puis vous autres, avez-vous déjà eu du trouble avec la madame à cause de votre skate ou. Non, mais avec la police, ouais, mettons, ou tout cas de même, c'est-tu déjà arrivé? Ben, moi, j'ai une genre, tu sais, j'ai souvent conduit mon char chaud, là, quand j'étais plus jeune, puis je regrette. Puis une fois que j'étais vraiment parti d'un bar, puis comme 5 secondes après que je suis parti à m'arrêter,
J'étais comme, c'est fini, je perds mon permis, je perds ma vie, je perds mon identité. Genre, j'étais vraiment dans la merde. Puis là, genre, elle me demande mes papiers, tout ça. Puis en fait, elle m'avait. Puis là, je paniquais. Pour vrai, j'étais comme Matt en train de pleurer, mais j'avais comme 19 ans, fait que c'est un peu moins viril. Puis là, elle me dit, non, je vous arrête juste parce que, genre, votre plaque d'immatriculation est pas à jour. Genre, j'avais pas payé ma dernière plaque d'immatriculation. Oh, wow. Mais j'étais chaud raide, là, genre. J'espère que t'as dit, oh, je pensais parce que j'étais chaud raide. Mais pour vrai, j'étais tellement chaud que j'aurais pu dire ça. Oh, c'est j'étais assez intelligent pour pas le faire. Mais, fait que là, elle m'a dit, check, faut juste que t'ailles faire payer ta plaque d'immatriculation demain. Je fais, ok, cool. Genre, ben, ça ressemblait souvent à, ah, cool, c'est pas drôle. Puis, Puis, genre, pour elle, la police a été la plus gentille au monde. Là. C'est sûr qu'elle savait que j'étais chaud. Puis elle était vraiment. Chris, il n'y avait pas ses affaires, tabarnak. Ouais, c'est ça. Hein? C'est une des dernières fois après que j'ai bu chaud. Là, genre, c'est con, mais j'ai comme eu ma leçon en même temps. Là, genre, oh, là, c'est... Ouais, je comprends. Mais à part ça, non, il n'y a pas eu de grosses affaires avec la police. Non. En plus de temps sur. Ouais, vas-y. Non, ben, j'allais juste dire, genre, en plus de te laisser aller pendant que t'es chaud au marde, de faire juste finir en disant. Bon, ben maintenant que tout ça est fini, vous tentez de me fourrer dans la valise du char de police? Comme quoi? Ben, on a tous déjà été jeunes, là. Laissez-les chauffer sous. Quand... Ben, je le sais que t'es sous, mon esti de cochon, faut au moins. Comme, calisse, all right? Vas-tu, Gab? Ça valait pas la peine tant que ça, là, Chris. Non, ça valait pas la peine. Non, c'est pas vrai. Ben, ça vaut pas plus la peine de ce que je dois dire, là, mais moi, la seule fois que la police, c'est genre, j'étais vraiment pas contente, c'est que un de mes ex, j'allais dire, il a décidé qu'il voulait un fil auxiliaire Walmart à 5$, qu'il payait pas. Genre, je le savais pas, puis là, quand on est rendu dans le parking, le monsieur, hey, vous avez pas payé! Puis là, c'est genre, vraiment, il n'y est plus aussi, mais. Non, il fallait aller dans le champ. Fait que là, finalement, on rentre en dedans, il appelle la police, il fait un fucking de temps. Oh, vous avez attendu la police en dedans? Oui, avec le gardien de sécurité. Ah, oh, mais là, tu décolles. Mais ça n'a pas à donner de même. Ouais, non, je comprends. Moi, je suis légalement, je suis complice. Ouais. Mais je ne savais même pas. Fait que là, il m'a mis dans la merde à cause de ça. Puis là, genre, ils ont dit on va appeler vos parents, tout ça. Ma mère, elle va me tuer, là, est tellement intense, ces affaires-là. Fait que finalement, il a fallu dire avant qu'il l'appelle, je savais qu'il l'appelait, genre, le lendemain. Puis, finalement, le monsieur, ben, le gardien du côté, il a décidé de pas porter plainte, puis ils ont laissé à repartir, mais, genre, plus jamais, il y a plus personne qui vole avec moi, parce que. Ouais. Hey, j'imagine juste la déception que tu dois avoir dans tes yeux quand tu as vu sa face de lui stressé. Tu sais, toi, tu n'avais rien à te reprocher quand il dit vous n'avez pas payé, mais non, c'est ça, juste vers lui. Tu payé ton fil à 5$. Ah, ouais. Pas pour ça, moi, c'est du vol. Mais oui, c'est calme. Tu vas avoir une tâche à mon bout de temps. C'est ça qu'il a dit, genre, oui. Avant de voler son fil. Je paye pas pour ça, c'est du vol. Il l'a dit après, quand lui il s'est fait pogner, je payais pas pour ça, moi, c'est du vol. C'est un calice. Ah, voyons, calice. Il me semble que le concept de vol n'est pas clair dans sa tête. Ouais, c'est ça. Habituellement, si tu trouves que c'est trop cher, ben achète-le pas. C'est ça, c'est Christoulé dans les poches, puis part avec. Ah, ça, c'est trop cher. Une TV de même va me la prendre de style. Il mange de mort. Il était pas pauvre, là. Puis là, c'est ça. Il y a une autre fois aussi que j'étais avec quelqu'un qui a essayé de voler un souci de son. Elle est fixée. Oh, wow. Ah, t'as marmac. Elle l'a mis dans son manteau. Je vais qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu. Puis là, je dis, non, c'est pas vrai que tu vas voler. Puis pas pour un souci de son collé, c'est 7$. Donc, moi, là, je vais te le payer. C'est genre, non. Hey, on est sortis de là-bas. Je dis, jamais tu vas voler avec moi, genre, comme je magasine plus avec toi. Jamais. Je suis rentrée dans un roman avec cette personne-là, puis là, 5 minutes après, je fais est-ce que c'est sûr qu'elle va voler de quoi? Puis je suis partie tout de suite parce que. Pourquoi, là? Ah, c'est comme des parents pour les cossins. Ah, un film de nez, sérieux, là. C'est... Je connais quelqu'un, est-ce que c'est tout croche, il vole des ailes de poulet à ah! Eh ouais, il crée des ailes de poulet dans son panier, puis il sort son cœur.
Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Mais c'est parce que moi, en fait, il y a deux facettes à ça. J'aime pas voler, genre je suis contre le vol, mais il y a quand même un petit sentiment d'adrénaline, genre sauter en parachute quand tu voles. Genre, t'es comme genre, je vais-tu me faire pogner? C'est dangereux, ça, Max. C'est dangereux. Ouais, je sais. Mais j'aime vraiment manger des ailes de poulet. Puis je trouve que c'est l'aliment que, hostie, que ça n'a pas rapport comment c'est cher pour ce que tu payes, genre. C'est comme 14$ pour 12 ailes de poulet. Ouais. Ça me fait chier. Fait qu'au maxi, tu sais, pas toujours, mais il fut des fois que je m'essayais puis que ça a toujours marché. Fait que j'ai volé une coupe d'ailes de poulet. Et nous, c'est quoi ta technique, là, pour les gens qui écoutent, là? Comment tu fais, là, pour voler c'est des ailes? OK, il y a deux affaires. Tu sais, les caisses libres. Deux étapes. Il y a des épiceries cheap comme Maxi, que c'est caisse libre, tu fais pip, puis tu le mets dans ton sac. Merci, bonsoir. Ouais, ouais. Puis les épiceries riches, qui sont pip, mais genre, il y a comme une balance. Fait que t'es obligé de la mettre sur la balance. Mais au Maxi, il n'y avait pas de balance. Fait que tu fais juste faire. Et voilà, il n'y a pas de bip. Ouais. Genre, tu sais, la madame de 45 ans, Marcel, qui te regarde pas vraiment, genre, qui s'en calisse pas mal de ton épicerie. Ah, c'est clair. Fait qu'en fait, il y a vraiment deux étapes dans ton affaire. C'est tu rentres, puis tu voles les ailes. C'est tout. Non, non, mais non. C'est quand même simple, là, dans le fond. C'est tellement amateur. Mais non, Chris, t'as-tu vu déjà Danny Ocean? C'est la même affaire, mon gars, man. C'est pareil comme dans Ocean Eleven. Toi, tu te considères comme lequel? Plusieurs items. Parce que, genre, tu sais, dans le fond, c'est comme bip, bip. Puis la manée, t'en skip une, mais ça passe comme du. Tu fais-tu avec ta gueule le bruit, genre? J'ai jamais pensé, mais je vais l'essayer la prochaine fois. Tu devrais pas. Regardes, tu fais juste un clin d'œil, genre. J'attendrai qu'on y aille ensemble. Ouais, ah ok. Oui. Ah oui. Pour si vous voulez des ailes. Je suis votre homme. Ben oui. Faudrait que tu sois sa note en esti. D'après moi, là, si tu fais un fa au lieu d'un do, elle va faire à telle minute. Là, moi, je suis conditionné. Esti. Je l'entends en journée longue, cet esti-là. C'est pas la bonne note. C'est qui, ça? Ah non, mais ils sont tellement bad. Le monde qui surveille les caisses libres, là, c'est terrible. Là. Des fois, il n'y en a rien à crisser. Tu sais, moi, j'ajoute de la bière ou des produits 18 ans et plus. Là. Puis là, t'es comme bip. Puis là, je sais pas, j'aime faire le bip, je m'excuse. Là. Bip! Oh, puis là, genre, t'attends, là, puis là, t'as ta petite lumière rouge là, qui clignote, là, puis là, tu regardes autour de toi, il y a fuck all, là, puis ça prend 10 minutes avant de. En tout cas, c'est vraiment facile de voler. Mais ne faites pas ça à la maison. Ben non, faites-les, ah ouais. Sauf les ailes de poulet. Y'a les jeunes, prenez de la drogue. Les ailes de poulet, hein? Pardon? J'ai déjà volé des ailes de poulet, mais pas à l'épicerie. Ouais. Ah, j'ai déjà compté, non? C'est plus qu'une étape, là, celle-là. Ouais, ouais. Okay. Sur un poulet. Ça se roque la gorge. C'est mon staff party, jadis. Puis c'est dans un hôtel que j'ai déjà travaillé là. Puis là, on est crissement fou, il est genre 4h du matin. Je suis comme, j'ai fucking faim, on s'en va dans la cuisine. Prendre la cuisine, là, il y a quelqu'un qui me ressort, je m'en vais dans l'autre partie où il y a d'autres couches. Je sais qu'il y a de la bouffe là-dedans, là. Quand je travaillais là, on cherchait les desserts. Et puis là, je m'en vais là avec mon ami, Jo. C'est un congélateur, il y a plein d'ailes de poulet. Je fais, yes! Un sac, je le mets dans mon manteau. Je fais, bientôt, on s'en va. Fait que là, on frise notre cœur avec des ailes de poulet. Là, j'arrive dans le condo où que les autres personnes étaient. Je fais, j'ai des ailes de poulet! Ouais, mais on n'a pas de faux. Ah. Tabarnak. J'ai descendu chez moi parce que c'était à côté. T'es volé un four à tes parents, genre. J'allais faire les ailes de poulet. Par ça, je suis retournée au party. Tabarnak. C'était tellement piquant, là. Le karma, asti. Seigneur, c'est pas mangeable. Mais tout le monde était vraiment content que j'avais des ailes de poulet. Mais ça veut dire que t'as pris genre 45 minutes, genre demeure à cuire, puis après, ça doit être 10 minutes à faire aller chauffer ton four. Puis Jay, il dormait, puis il était en tabarnak parce qu'on n'arrêtait pas de le réveiller, genre. Ah, c'est... Moi, je m'en foutais, je mangeais des ailes de poulet. Ben, c'est clair, c'est délicieux, les ailes de poulet. Ah, oui. Ah, oui. Des ailes de poulet. Quel vous préférez, les ailes de poulet? Moi, c'est... je sais pas, man. Les ailes de poulet, c'est des ailes de poulet. Là. Je dirais les non. Bonne question. C'est ce que je viens de comprendre. Moi, j'ai crissement aimé, genre, tu sais, quand t'es allé chez ta mère, Max, c'est un resto à Chambly qui s'appelle Pépé. Il faisait des ailes de poulet, il était comme
Il était comme parfait, testi. Il était genre comme un peu croustillant. Ah, celui qu'on avait commandé quand on était à l'extérieur, là? Ouais, exact. C'est vrai que t'es bon, hein? Pour vrai, c'était des bonnes ailes de poulet que j'ai mangé dans ma vie. Là. Bon, le style de fendant. Moi, ils sont meilleurs. Ça. Ben oui. Les tiennes sont meilleures, Marco. Les miennes sont meilleures. C'est souvent... non, j'en ai pas en particulier, mais c'est souvent les genres de bars un peu semi-miteux qui font un peu des snacks, mais genre, tu sais, comme ils font poutine, ailes de poulet, puis genre frites. Ouais. Puis tu commandes ces ailes-là, puis ils ont la meilleure sauce ever avec eux. Genre, c'est souvent ceux-là les meilleures ailes de poulet, je trouve. Pour vrai, mais c'est gêne de penser à ça. C'est vrai, les ailes à Marco en particulier, je pense que c'est les meilleures que j'ai mangées. Genre, ah oui? C'est des ailes. Ouais, les ailes, on achetait genre les ailes fraîches, là, puis là, on les désassaisonnait, puis tout ça. Là, puis genre, pour vrai, je pense que c'est les meilleures ailes que j'ai mangées. Ah, sans joke. C'est fin, merci. Oh, ouais, c'est qu'on a fait du barbecue, genre, ou dans friteuse? C'était dans friteuse, si je me rappelle bien, il me semble. Ah, ouais, okay. Ouais, il était croustillant. Fuck, man, ça c'était bon en calice pour vrai. Ah, merci. Ah, ouais, c'était solide. Les ailes du Saint-Tube étaient quand même solides. Man, c'est probablement mes préférés, genre après. Ouais, genre, honnêtement, non, je pense que c'est pas mal mes préférés. Là. Ils sont juste comme, ils sont secs, puis sont. C'est genre, ouais, ça quoi? Devrait pas être une qualité, mais c'est parfait, genre. Ça devrait pas être une qualité, man, du poulet sec, mais t'es comme, ah. Fuck, man, sont fucking sexy. Avec la sauce piquante, man. Oh, ouais. Pas de ouais. Pichou, là. Oh, ouais, c'est la meilleure, man. Ça me faisait, ça me faisait tellement chier pendant un bout, genre, à livraison, là, ils l'offrent plus la sauce, c'est la sauce Saint-Hubert, je pense, qui appelle. Ouais. Ils l'offrent plus, non. Faut que t'appelles à la place pour, genre, demander, mettons, qu'ils le mettent dans ta commande. Mais moi, toutes les calls de fois que je me commande ça, je suis hangover, puis ça me tente pas d'appeler, genre. Mais attends, ils l'ont encore en magasin, mais ils l'offrent plus quand t'appelles. Ouais, à livraison, ils l'offrent pas. Puis si tu commandes en ligne pour l'avoir pour take-out, ils l'offrent pas, les tabarnak. Ah ouais, ça me ferait chier. Donc, si t'écoutes Saint-Hubert. Si tu chiennasses là de calice, hein. À cette heure que c'est rendu en Ontario. Ouais, ils gardent la sauce. Il y a du monde qui tire sur des condos pour moins que ça, moi, Saint-Hubert. On est tiré sur le siège social, c'est une joke, Facebook, barre et du poids. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez été malade, ça brosse? Ben, je reviens me prendre, je vais me chercher une bière. Ça pourrait être ce soir? La première ben, ouais, ou la dernière fois? Ben, je pense que moi, j'irais plus avec la première, vu que la première est plus marquante souvent. Non, mais moi, c'est pas ça, je m'en rappelle. Ouais, ta dernière, ben on va dire que la dernière. Je sais pas si je l'ai raconté l'autre fois. En tout cas, je ne serais pas tant peur. Ah, c'est pas vrai. Je suis allée chez un ami pendant le confinement, un ami Tinder. Oh, tu as vomi sur le bat? Non. C'est un fétiche? Non, tu sais, c'est rien que Phil. Ah, c'est Phil, ok, excuse-moi, Gab. Je suis allée chez eux, on s'est saoulés comme des cochons, c'est vraiment intense. Ah ouais. Là, on a fait des cochonneries. Là, on a fini ce qu'on avait à faire. Je suis allée vomir dans sa salle de bain. Après ça, je suis revenue. Il dormait à moitié. Je ne sais pas, je ne dors pas ici. C'est que là, j'ai marché une demi-heure pour aller chez nous. Je ne voulais pas qu'il m'en reporte une question. Je ne voulais pas dormir là. Rendu chez nous, j'ai encore vomi. Puis quand je me suis réveillée à 10h le matin, j'étais en petite boule, comme ça, sur le tapis, en avant de la douche. Ouais. Mais le tapis est gros de même, là. J'étais comme ça, là. Puis genre, je me suis endormie même, je me suis réveillée, je sentais plus mes jambes, fuck off, puis ça fuck off land, là. Puis je me dis, plus jamais. Ah, c'est clair. Puis tu recommences la semaine d'après. Ouais, c'est sûr. C'est tout croche, mais au moins, good news, ça tombe plus, genre, quand tu te réveilles. Exact. Mais ouais, ça, c'est ouais. Un bon truc quand t'es trop chaud d'aller faire vomir. Ben oui, ben oui. Ouais, non, ça m'arrive constamment, là, mettons, genre, de juste comme filer tout qui rush, ça tourne, pis tout, je suis comme, fuck off, je vais me faire vomir, rester au moins, après, ça va aller mieux. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, quand tu mixes le weed pis la bière, genre, quand t'es trop... Ah, c'est un bon mélange, ça. Parfait. Ouais. Moi, je suis pas capable. Ah, c'est là. Ah non, c'est le pire des crises de mélange. Ça a jamais marché. Dans l'histoire des affaires qui marchent. Faut avant de boire, pas après. Non, mais... Peu importe, truc ça de marche pas. Non, mais au moins, avec le SQDC, tu peux avoir du weed qui est fait en THC, qui fit bien pour des weed de brosse. Ou même, il y a du monde qui sont juste blindés. Là. Ils peuvent fumer comme ils veulent, puis boire comme ils veulent, ils vomissent pas. Là. Ouais. C'est comme quand t'es allé, première fois, quand t'es allé boire chez Alex pour faire le tournoi de Beer Pong. Ouais. Bon, je l'avais échappé, là. Hey! T'sais, on commence à faire du burp avec des styles de règlement de fuck out, genre de style genre s'il y a un redemption, ben tu sais. Moi quand je joue avec des redemption au burp, c'est qu'on peut rechatter.
Ça, c'est chill. Genre, pas de. On recommence la game au grand complet, esti, là, tu sais. Ah oui, man. On a commencé la game quand il y a eu Redemption. Je suis genre, tabarnak, c'est du hard. Puis c'est arrivé comme deux, trois fois. Fait trois games de suite. Puis je suis genre, mais, il m'a amené à dans puis ils font un joint gros de même. Moi, je suis genre, Chris. À largeur. Pas fait en. Largeur, tu sais. Pas fait en gros, oui, tabarnak. Fait puis, j'ai jamais été mad de même. Là. Je m'en souviens, j'étais dans la chaise derrière, là, puis j'étais tellement scrap. Je suis genre, regarde, je vais dégueuler, ça le fera pas. Man, j'ai encore de... les photos. Ouais. Il y a de quoi de gênant de dégueuler chez une personne. Ah, ouais, ça fait comme, tu sais, j'ai connaissé Alex, j'étais allé à mon secondaire. Là. J'avais comme 7, 6, 7 ans, si je l'avais pas vu. Puis, je vais chez lui, première fois, je me saute la gueule, puis j'étais allé vomir dans sa toilette comme un malade. Ouais. Il y avait une fille qui n'arrêtait pas de cogner. Je vais aller pisser. Je suis dit, hey, tu vas attendre, fille. Là. Tu sais, non, ouais. Il y a quoi qui se passe en ce moment pour moi et la toilette. Là. Que... Oh man. Je me rappelle cette soirée-là, genre, tu sais, on est en train de faire le party. Je m'en viens vraiment chaud. Puis là, je suis comme, man, j'aimerais vraiment savoir de la poudre pour me remonter. Hein, là. Puis genre, tu sais, c'est le genre de tot que t'as. Là, c'est comme tu y penses. Puis t'es comme, ouais, mais en même temps, ça n'arrivera pas. Man. Comment tu veux que ce soit en haïssite ou quoi que ce soit, blablabla. Maintenant, Alex me dit « Hey, tu sais, tout est correct, demandes-tu quelque chose? » Je dis « Ben, je me demandais si par hasard, t'aurais un call pour de la poudre. » Puis il fait genre « Ah, ben oui, man. » Genre, lui, il n'en consomme pas, Alex. Mais il m'a dit « Je connais quelqu'un, puis genre, on va l'appeler, elle va être là dans 30 minutes. » Je suis comme « Dude, man, tabarnak de chum. » J'étais tellement content. En plus, en tout cas, c'est drôle, tu l'as fait assez subtil. Puis là, j'ai ma mère qui monte en haut, elle cogne, elle ouvre la porte. Ouais, c'est pour qui? C'est vrai. Oui, attire. Ah, ouais, ouais, la madame est insane. C'est à qui ça ici, là? C'est à qui ça? C'est la terreur de poudre la moins subtile que j'ai vue de ma vie. C'est pour qui la cocaïne? Ben ouais, c'est pour moi. C'est pour moi. Pour le policier qui est là, tu sais, quasiment. Amen. J'avoue que c'était gênant. Mais en même temps, j'en voulais ben trop pour moi. Je m'en colle ici. Ben, c'est pas gênant, là. Il y a plus de monde qui pense qu'ils font de la poudre. Ouais. Ah, pour vrai, là. Non, oui, ben oui. Non, oui, c'est sûr. J'ai appris aujourd'hui, c'est ma blonde qui m'a sorti Steve cette statistique là. Steve Jobs, il était sur la coke. Il n'avait pas arrêté une seconde. Mais non, il était. Janine, le Canada fait partie des trois pays qui consomment le plus de cocaïne dans le monde entier. Hein? Ah ouais? C'est qui les deux autres? Ouais. Il y avait, si je me rappelle bien, c'était le Brésil puis l'Italie. Je pense que c'est le Brésil puis l'Italie. Ouais, c'est... Ah ouais. Ah non, excuse-moi. Non. Non, il y avait l'Écosse, man. L'Écosse, qui se classait genre deuxième dans le monde. Brosseuse Écosse. L'Écosse! Pense-y, là. C'est genre tellement... C'est tellement drôle que l'Écosse fasse beaucoup de poudre. Mais en même temps, ça fait du sens. Tu sais, mettons, ça... Ils sonnent un peu comme les Irlandais. Puis, c'est du monde de party. Là. Moi, quand j'étais au Portugal, mon gamin, partout où on allait, c'était genre parce que c'est décriminalisé là-bas. Là. Fait que genre partout où on allait, mettons les places à côté des clubs, cocaïne. C'est comme tabarnak. De moi un break, esti. Oui, ça me tente, là, mais ma blonde va être en crise. Là. Que... là, ça m'agresse parce que. Tu lis dans mes pensées, Max. Ouais. Combien ça coûte? Toutes les fois que je regardais Jasmine, t'es comme non. Je suis comme fuck! Ah, oh, man. Ah, mais la fin en voyage, c'est ça. Si, man, tu te fais pas. Ouais, mais. Tu peux être dans longtemps. Là. Non, c'est sûr. Mais parce qu'en même temps, tu sais, moi, je bois tout le temps quand. Tu sais, en vacances. Normalement, j'ai quand même. Tu sais, je bois pas dans la journée. Là. Mais genre, là, tu sais, quand j'étais en vacances, je bois pas mal tout le long. Là. Fait que genre. Ah, à ça, là, Chris, on est. Ben ouais, ben oui. Fait que c'est sûr que n'importe quel moment, c'est comme, tu veux-tu de la poudre? C'est comme, oh. Ben peut-être, je suis en vacances, je suis au Portugal, mais il me semble que ce serait juste plus cool. Mais bon. Ouais, je comprends. Pas de poudre pour le Merckx. Non. Non. Ah non, c'est pas vrai, on a fini par en trouver pareil. Ouais, j'en ai jamais fait. Non? Ben, tu devrais peut-être. Tu fais bien. Pour moi, c'est pas. Temps, c'est pas, cool, c'est pas une drogue qui est nice, tant que ça. Là. Non, j'ai pas envie de rien mettre à mon nez. Non. C'est. En fait, parce que c'est nice au point que, genre, ça va te créer beaucoup de problèmes dans ta vie. Fait que, genre, ouais, c'est mieux de pas essayer, genre. Mais c'est nice, mais en même temps, tu sais, mettons la première fois que j'ai fait. C'est vraiment nice. C'est drôle que ça soit toujours du monde qui fasse de la coke qui ont ce discours-là. Ouais. C'est toujours du monde qui font de la coke régulièrement.
Ouais, 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 comme, ouais. Ça apporte beaucoup de problèmes dans ta vie. Faut pas que ouais. tu fasses la cause. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ben parce oui. que. C'est comme si le gars est en train. Je te dis, genre, t'es en train de te faire sucer, genre. Là, genre, t'essaies d'expliquer à quelqu'un que c'est mal de se faire sucer, genre. Ouais, c'est un peu le même que, genre, quand t'essaies de l'expliquer. Parce que là, tu le sais, tu sais, là, quand t'es pas dessus, t'es comme, ben oui, c'est de la merde, calice. Mais si t'es en train de faire de la poudre, genre, comme t'es comme. Tu sais, oui, OK, oui, c'est de la merde, mais en même temps... Non, au moment où tu as la pensée de dire « Ah, si j'en ferais, là... » Ouais, là, ça devient... Ouais, là, c'est difficile d'enlever cette pensée-là de ta tête après, tu sais. Ouais. Mais, ben ouais. Mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, tu fumes un joint, t'es vraiment... Tu le sens pas mal plus que si tu fais de la coke, là. Genre, c'est de la coke, t'es juste plus allumé, plus réveillé, t'es sharp. C'est tout, là. Ouais. Fait que, ouais... Mais, non, fait, mais mettons, si t'es vraiment ouais. sous, ça va te remettre direct, genre. Fait que, mettons, c'est la misère à te tenir debout, mais là, tu vas réanimer. Va vomir, bois de Gatorade. Ouais, ou va te coucher, là, tu sais, je veux dire. Mais, à un moment donné, à 6 heures, le party est fini, là. Ça sert à rien d'en faire une clé, là. Hey, non, ouais. Il est rendu 6 heures, t'es 3 à jaser de ton enfance, ce style, parce que t'es fucking émotif. C'est ça, genre. Sans masseur, ouais, moi, j'ai jamais aimé. Puis genre, j'ai une question, en fait. Est-ce que le craving, c'est un peu comme une cigarette? Genre, dans le sens que, genre, après, que tu fais un esti de bout, t'en as pas fait, t'es comme, genre, là, faudrait que j'en fasse? Ou c'est plus, genre, c'est... mes amis en font, puis là, genre, ah, Chris, man, ça serait nice d'en faire. Genre, est-ce c'est que c'est un craving? Ça dépend, mais je pense à la quantité que tu consommes, je te dirais, là. Ben, puis... il y a un médium m'avait posé la question, puis je trouvais que c'était une bonne question, c'est qu'est-ce que ça te fait, tu sais, genre, quand t'as envie d'en faire? Puis lui, il fume la clope, fait que c'était genre juste parfait, tu sais. J'ai dit, garde, imagine-toi, là, genre, c'est, encore là, ça dépend, là. Mais moi, je parlais juste de mon expérience à moi, là. Tu sais, quand je suis bien chaud, là, bien sous, là, c'est comme si tu t'es fumeur, puis là, je te dis, à soir, t'auras pas de cigarette. Là, t'es comme, ah, ouais, OK, je peux pas fumer. Puis là, tu commences à penser au fait que tu peux pas fumer, fait que t'as le goût encore plus de fumer. Tu de trouver des solutions pour être capable de fumer, finalement. Exact. Là, t'es comme pogné dans un avion avec le signe pas fumé, mais c'est un signe pas de cocaïne. Genre. Ouais, c'est ça. Mais tu le sais que l'autre en avant, il y en a des clopes. Ouais. Ça se peut que tu sois sur ton sel. Il y a un gros paquet de clopes. Oui. Ça se peut que tu checkes sur ton sel, c'est quoi les devs 24 heures. Là, tu te rends compte qu'il est fucking loin. Je veux-tu payer un taxi pour qu'il m'amène des clopes? C'est ça qui va se passer, là? C'est un peu genre le parcours mental. Ouais, disons, ouais. Fait qu'il y a un craving, il y a un craving. Ouais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, mais c'est surtout quand je suis dans le party, là, genre, c'est rendu associé, carrément, là. C'est devenu associé avec ça. C'est pour ça que souvent, c'est bien vicieux. C'est le monde souvent qui veut arrêter de consommer, il faut qu'il arrête de boire. Il n'y a pas de boire sans en faire, sauf que, mettons, si tu vas dans un party que tu sais que le monde en fond, c'est comme, c'est pratique. Ben, tu sais qu'aussitôt que tu mets les pieds là, c'est comme, c'est soit tu y vas, soit tu y vas pas, tu sais. Ouais, ouais. Dans mon cas, je suis chanceux parce que j'ai pas de... Je bois pas jamais la semaine. Puis quand je suis seul, je bois pas vraiment non plus. Je bois quand on enregistre sur le podcast, mais sinon, tu sais, je suis vraiment pas le genre à m'ouvrir une bière à la semaine, même pas une seulement. Fait qu'au moins, genre, j'ai ça. Mais si on est pour dire, hey, on s'ouvre comme une coupe de bière, puis tout ça, genre, comme, dans ma tête, mon plan est déjà fait. Là. Je suis comme, ah, OK, parfait, on va aller me chercher le temps. De, oh, oui, oh, oui. Non, c'est comme loser, ça. Pareil. C'est pour vrai, là. C'est pas mieux, Marco. Eh oui, ben oui. Ah, ouais. Chris. C'est pas mieux, Marco. C'est pas mieux, tabarnak. D'abord, je suis venu chez vous, il neigeait en astille. Ben là, gars, un peu, mais là, c'était l'hiver. Hein? Ah, oui, c'est l'hiver, c'est pas mal qu'il non, non, mais je viens. Il annonçait pas de neige pourtant. Ben, ouais, mais la météo, hein, c'est la variable. La météo, des fois. Non, non, mais. La météo. Mais oui, je niaisais pour vrai. Mais oui, je niaisais pour vrai, genre. Sacré sacré vicieux. Comme ton père. Ah oui, comme mon papa. Sinon, vous continuez à écouter le UFC depuis que c'est. Il n'y a plus de public, puis tout, genre. Moi, je l'ai écouté la semaine passée, puis l'autre d'avant aussi. Ouais, t'as écouté le dernier combat de Silva? Ouais, puis j'ai écouté Silva, puis là, mon frère, il votait pour Silva. C'est genre, au bout de sa vieux schnock, là, il était sûr qu'il va perdre, même si c'est un vétéran, mais c'est pas bien mal, je suis contente de l'avoir vu. Ouais, c'était un bon fight. Ouais, c'était cool. Ben, c'est... Même les prélims, ben là, c'était pas les prélims, parce que c'était pas un numéro UFC, là, mais... C'est... Ouais, mais c'est des prélims, tu sais, maintenant, t'as la main card, puis les prélims, pareil. Ouais.
Mais de les deux dernières soirées que j'ai regardées, c'était vraiment nice, hein, les prélims, là. C'était vraiment cool. Ouais, moi, je trouve ça vraiment cool. Même que j'aime presque un peu mieux ça qu'avec une foule. Là, genre pour comparer avec le hockey aussi, là, il y avait les séries cet été. Puis c'était nice, on entendait on entendait vraiment les joueurs s'envoyer chier pendant les pauses. Genre, c'est comme, hey, mon hostie, lâche-moi, Chris, ça va jouer vraiment la merde. Il n'y a pas la foule. Je trouvais ça vraiment cool. Ça donnait vraiment un autre vibe, une autre ambiance. Puis, Mais la NHL, ils n'ont pas rajouté un bruit de fond. Il me semble sur leur tape, ils ont acheté. C'est EA Sports qui a pogné des tracks, mettons, qu'ils utilisent, puis ils rajoutent ça. Comme une genre de foule. J'y ai pensé à ça. Moi, c'est j'aurais aimé ça quasiment pas de foule pantoute, parce que je l'écoutais, moi, avec un peu le hockey, puis c'était. Il me semble, c'est ça, j'aurais aimé ça encore plus entendre le monde, genre comme. Hey, mon tabarnak! Entendre ça. Je pense qu'au début des séries, ils l'avaient pas. Je pense que ça a comme été un processus qui ont évolué. Là. Parce qu'au début, je me rappelle, là, on entendait vraiment tout. Là. T'entendais littéralement, lâche-moi mon tabarnak, Steven, j'ai gagné, va chier, Steven, hey, je vais fourrer ta femme. Genre. Puis là, ça recommençait, puis ils ont joué à jouer. C'était vraiment nice. Mais ouais, après, ils ont engagé EA Sports, comme tu dis, puis ils ont rajouté les foules. Ouais. D'entendre vraiment tout. Là. Ah, c'est clair. C'est même les combats, pas de son. Semaine passée, j'ai pensé à ça. Quand il y avait la foule, au début, les premiers combats, il n'y a pas un esticha dans l'aréna. C'est la même affaire. C'est juste que c'est jusqu'à la fin, il n'y a pas un esticha. Mais comme on dirait que c'est encore plus les coups, là. Tu t'entends vraiment. 1000, ça fait encore plus mal. Ouais, c'est vraiment plus rare. Mais ça fait un peu comme. Je trouve pas que fois 1000, c'est Ultimate Fighter, un peu exagéré, Gab. Ça fait ouais, comme Ultimate Fighter. Tu sais, t'as juste, mettons, les crewmates qui. Puis encore là, t'as moins de monde que dans Ultimate Fighter, mais t'as juste une couple de personnes. Puis quand il y a un knockout, c'est encore plus violent. Sauf que là, t'es commentateur en plus. J'aimerais ça quasiment l'entendre sans commentateur, genre juste entendre les cornermen qui parlent. Puis... Mais t'es entendais quand même bien les cornermen, si je me rappelle bien. Ouais, t'entends bien, ouais. Sauf que j'ai l'impression que la track, des commentateurs est plus forte que, mettons, les bruits ambiants dans le cage. Je pense que ça dépend où tu le regardes. Il y a moins de temps qu'ils n'entendaient pas tant que ça, les commentateurs. T'es as-tu écouté la semaine passée? J'ai écouté juste le main event parce qu'on avait un souper chez mes parents dans le fond la semaine passée. Fait que j'ai juste pu écouter le main event, mais je vais aller réécouter. Non, c'est pas vrai, j'ai commencé à l'écouter cette semaine. J'ai écouté les deux premiers de la main card, je pense. Il y a un dude là qui cognait le gars sur son épaule, genre, comme un peu de patate. Il marchait jusqu'à l'autre bout pour aller le porter dans son coin pour écouter. Ah ouais, comme Matthew se faisait. Je sais pas si c'est lui ou whatever, là, mais. C'est une bonne idée. Ouais. Il y a une couple de personnes qui. C'est Matthews, mettons. C'était le champion avant Georges Saint-Pierre, mettons. Okay. Mais je pense que c'est les premiers qui a fait ça, mettons, juste, mettons, l'éloigner de son coin. Parce que surtout avec une foule, mettons, le monde ne peuvent pas. Ouais. Ils peuvent pas entendre les directions puis tout. Mais c'est quand même une bonne idée. Sauf que rendu là, s'il n'y a pas de crowd, je pense que c'est plus flashy un peu que juste vraiment le gars ne l'entendra pas. Là. C'est nice à voir. Là. T'as-tu vu le knockout genre une couple de semaines, le gars qui a genre fait comme un genre de spinning back kick, il a pogné son kick, finalement il a envoyé un kick d'en face. C'était beau, man. C'était digne d'un film Hollywood. C'est le plus beau knockout que j'ai vu de ma vie pour elle. C'était insane. C'était Kung Fu en esti, là. Ah ouais, vraiment. C'était genre. Oui, ça venait d'un film. Là. Ouais, c'est probablement dans les plus beaux knockouts du UFC, là, avec celui qui se donne un élan sur la clôture, un pédis, genre qui se donne un élan sur la clôture et qui le knock d'en face avec le coup de pied. C'est insane. Once in a lifetime. Là. Ah, ça fait le tour du web avant que le UFC soit big. Là. Ouais. C'était même pas dans la UFC. Il donne un nom à son kick. C'est dans Strike Force? Ouais, je pense que c'est en Strike Force. Mais Gab, tu m'as-tu juste dit que tu avais fait des arts martiaux? Non. Tu t'entraînais dans un gym avec du monde qui avait des arts martiaux aussi, c'est ça? J'aimerais ça, mais non, je m'entraîne juste au gym. j'aimerais ça faire du jiu-jitsu. Ouais. Mais j'ai comme un fuck avec mon cou, fait que je pense que je ferais juste mourir. Ouais. T'as un fuck avec ton cou? Ouais, quelqu'un il m'a tombé du cou à Saint-Tite, on était chaud, puis j'ai mis de me déplacer. Il faisait genre le 6 affaires de même weird, là.
Petite position que t'as cassée. C'est malade comment c'était comme pas tant bien expliqué, puis on a quand même compris. Tout compris. Ah, le marteau piqueur. Ah, ah, ouais. Il est tombé dessus. Ouais, ouais. Ah, ouais, le, cool. Le gars de la voirie. Là. Oui, au moins, c'était ça. Non, c'est pas ça. Mais en non, je ne fais pas de dans marteau, mais tout ce que j'aimerais faire. Ok, ok. Non, je pensais que tu m'avais dit ça de m'amener, mais je ne me sais pas. Sinon. On pourrait parler de... On pourrait parturer un gendarme, moi, je pense. Oh! Ah, bon. On peut-tu participer, même si on est dans le podcast présentement? C'est ça la question. Hein, Phil? Ben oui, j'ai juste remarqué qu'il y a quelqu'un qui vient de liker notre page Facebook, puis son nom de son nom sur Facebook, c'est Will Tabarnak Garnotte. Je trouvais ça malade comme nom. C'est très bon nom. Ouais. C'est son nom Facebook? Ouais. Wow. C'est beau. Will, ben enchanté, Will Tabarnak Garnotte. Alex Fix te demande, Marco, si t'as hâte de recevoir Serpat. Alex Phillips, ouais. Alex, qu'on vient de voir, là. Ouais, parce que dans le fond, Serpat a écrit à Alex, ou je pense que c'est son équipe, pour passer à du bruit à mes oreilles. Sauf que l'affaire qui est weird, c'est qu'on a déjà fait une critique de l'album de Sir Pat à du bruit à mes oreilles. Puis, tu sais, dans ce temps-là, moi, j'étais pas collaborateur. Il nous a invités, moi, puis Phil, pour faire ça. Puis, on a chié sur son album, là, mais genre, on n'était pas nuancé en Chris. Là. C'était savage. Tu sais, quand j'aime pas c'était de cours. Dans le cul, puis pas même de respect. Là. Oh non, il n'y avait aucun respect, là. Comme si on chiait dessus, God. Comme s'il n'y avait aucune chance qu'il écoute jamais ça, mettons. Puis là, après ça, il arrive, puis il me dit, ouais, ben on va le recevoir en entrevue. Je suis comme, tabarnak, je sais pas si je suis à l'aise. C'est-t-il. J'espère qu'il ira pas écouter. J'imagine que s'il va écouter, il va annuler l'entrevue. Là. Je peux pas créer, c'est-t-il. Ce serait malade qu'il fasse, ah, de la merde, j'en ai bien trop besoin. Genre, ce serait malade, puis là, tu sais que tu le tiens. Là, c'est là que tu le sais. Là. Tu peux chier sur ses fucking rêves. Là, ah ouais, ben, je vais lui dire, t'es dégueulasse. Hey, c'est oui, je me rappelle que tu avais dit ça pendant l'épisode d'ailleurs. Oh. Je le trouve dégueulasse physiquement, là, je veux dire. Là, j'ai fait calice. Oh, mais qu'est-ce que tu t'es excusé après? Non. Je ne suis pas excusé. Oh. Non, mais le gars l'a pas écouté. Ah, ok, oui, à cause que je m'excuse souvent quand je fais des blagues. Là. Ouais, non, je suis rendu bon avec ça. Je me garde de toi. Ouais, non, je m'excuse plus bien pour vrai. C'est vrai que tu t'es amélioré là-dessus. Ouais. Ouais, je suis content. À ce temps, je fais le show sourire, puis j'imagine la personne comprend que c'est une blague. Ou sinon, je fais le petit move de genre, tu mets une petite tape de genre, c'est une joke. Non, les gens comprennent très bien les jokes. Je pensais que les gens étaient stupides. Ben, c'est ça, je pense. Là. T'es juste condescendant, finalement. non, mais je me suis fucké amélioré. Pourquoi je me mets. Le test était genre, juste vraiment genre. Oh, wow. Non, c'est ça, genre, fait qu'on dirait qu'il me dit, je suis comme, ok, ben, gars, on va y aller avec ton call, puis genre, tu sais, si t'as le goût de recevoir, je vais être là, mais en même temps, c'est comme, genre, je suis comme mal à l'aise, là, genre, je veux pas. Parce que, genre, si on le reçoit, je veux pas que ce soit un dîner de con, tu sais, le gars, en tant que tel, j'ai rien contre lui. Mais en même temps, je suis comme, ok, mais là, genre, on a passé comme 1h30 à chier sur son CD, puis à dire que c'est de la calice de merde qu'il faisait, puis là, on l'interview, puis toi, à ses repattes. On dirait que je me sens un peu bitch, mais... Comment tu te sens par rapport à tes tunes? Ouais, est-ce que tu trouves que... T'aimes-tu ça? Ouais. Trouves-tu... es-tu... comment je dirais? Es-tu fier? Ouais. Ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière musicale? Ouais. T'aimes-tu ça? Ils n'en parlent pas à personne? Tu sais, c'est... Il fait quoi, maintenant? Je pense qu'il est travailleur social ou bien... Non, je pense qu'il... J'ai entendu sur le podcast d'Adamo, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à l'écouter, puis finalement, j'ai à peu près 10-15 minutes, mais... Genre, je pense qu'il est prof... Même quand il parle, ça te met en calice. Non, mais ça ne mettait pas en calice, c'est parce que c'était par Zoom. Fait que, tu sais, c'est comme tu décroches vite, mettons. Là. Ouais. Mais... Ouais.
C'est drôle, ma crise. Parce qu'on fait ça. Je sais. Ouais. Zoom, ah, ma crise de merde. On salue les gens qui ont parlé des podcasts. Sur pas Zoom. Ça, c'est un perte de temps. Merci les gens qui écoutent, gang de stickers. Vous êtes donc incapables d'écouter ça, cette style de merde-là. Non, c'est juste moi, on dirait, tu sais, j'ai un petit problème d'attention. Fait que quand j'écoute de quoi par Zoom, je décroche plus rapidement, mettons, qu'en vrai. Mais si j'écoute en audio, c'est moins pire, je te dirais. En audio, j'aime mieux ça que l'écouter en vidéo. Mais ouais, c'est ça, je l'écoutais. Puis finalement, c'est ça, je pense qu'il disait qu'il était rendu, il était prof. Mais je pense dans des groupes de problèmes de comportement, genre, si je me trompe pas. Soit ça ou il vend de la speed. C'est une merde de Chris. C'est un front. Non, ouais, c'est un front, là. Tu serais malade, il vend de la I, genre. Si tout le monde fait de la MD, mais lui, il vend encore de la I. Ah, oh, man. Y a-tu quelqu'un qui veut de l'extase, man? Je suis sûr, ah, tu veux dire de la MD? Là. Non. La I, non, de la bonne vieille I, mon chum. L'original. Ouais. What the fuck? La Salvia aussi, si vous voulez. The fuck you're talking about? Ça existe encore, la Salvia? Ça existe plus, la Salvia? Je sais pas. Si ça existe, c'est clairement plus légal, en tout cas. Pendant un bout. Ouais, ils ont enlevé des pharmacies. Mais pas rendre drogue, ils sont légales. Que le monde se pognait des estipoffes de 30 secondes avant de cracher. C'était quoi déjà, la Salvia, pour... Je m'en souviens, puis c'était quoi? C'était une genre d'herbe que tu fumais, puis t'étais gelé pendant, mettons, 5 minutes, mais genre... C'était weird, là, genre... C'était intense, mais cool. Okay. C'était plus des granules que de l'herbe, là. C'était genre des estis de petites granules de merde, là. C'était pas... Mais c'était pas un genre, c'était pas comme pour infuser, dans le fond, t'es supposé te faire un genre de thé avec ça, là, pis ça te relaxe, techniquement, là, genre, c'est pas ça? C'est pas un genre d'herbe? Moi aussi, je pensais que c'était un genre de thé, pour... Hey, de la tisane à salvia, mon chum, sérieux! Non, mais... Moi, je ferais jamais ça. Je trouve pas sans sacrement. Tu le fais bouillir, c'est différent que si tu le fais fumer. Imagine-toi que, finalement, ça t'offre plus longtemps, pis ton trip de 2 minutes fucking intense dure 1 heure. C'est suicide, c'est ça. Mais je pense que ce serait comme un peu... C'est comme une branche un peu moins forte du DMT, mettons. Genre. C'est pas un hallucinogène comme le DMT. Ben, c'est hallucinogène, man. J'en ai pogné du Christ de fort, puis fuck, man. Ouais, j'ai halluciné big time, là. Shit. Ouais, j'en ai fait genre 8 ou 9 fois dans une avant-midi ou après-midi. Genre... une bonne journée, là. Hey, man, c'était weird, là. La dernière shot, j'ai paniqué, là. Puis genre, j'étais dans un... On était rendu sur un terrain de baseball parce qu'on était comme, ah, si, mais il faut que je sorte, c'est weird. Puis genre, on était dans l'abri des arbitres, là, en arrière du marbre, là. Il y a comme la clôture. Puis ouais. En tout cas, j'étais là-dedans, man. Puis j'ai fait ma dernière puff. Puis d'après moi, mon ami qui me faisait mon bucket, il m'a gâté en calice parce que, man, je voyais, genre, j'imaginais des... Je voyais plus le terrain de football ou le terrain de baseball ou quoi que ce soit. Là. J'imaginais genre des ambulanciers qui s'en venaient me chercher, genre. J'étais comme si des ambulanciers qui s'en viennent. Puis genre, j'étais complètement déconnecté de la réalité pendant genre 2 minutes, mais genre comme puis là, puis pantoute là. Même pas sur la terre. Là. Hey man, c'était weird en esti. Même en plus, j'allais travailler après, genre. Mais tu sais, c'était des buzz de comme 2 minutes et demie. Fait que j'étais comme. Ben, ça dure juste 2 minutes et demie. Fait que mais 8 fois avant d'aller travailler, à un moment donné. Hey man, j'ai été pas. Il commençait dans 5 minutes, là. Il y avait le temps. Non. Il me restait comme 3 heures avant d'aller travailler. J'ai fait une sieste de genre 2 heures. Tu sais, j'étais genre bien relaxé avant de commencer à faire ça. Mais sérieux, après le batterie, j'ai fait une sieste de 2 heures, là. Genre, j'étais comme vidé, là, complètement, là. Plus d'énergie. Tu as fait, vous autres? Moi, on avait fait deux, trois fois avec mes amis à l'époque, puis c'était assez hallucinogène, là. Chacun avait vraiment un trip différent, là, mais il y a eu une couple d'hallucinogènes dans notre gang, puis c'était crissement drôle. C'était dans les plus belles soirées drôles, là. Genre, moi, j'ai un de mes amis qui... J'avais un piano chez nous, puis dans le fond, il avait pris son shot, puis il disait qu'il fondait dans le piano, genre, mais là, il était comme rendu 3h du matin, puis genre, comme j'avais des voisins, puis genre, puis là, il tombait dans le piano, puis j'étais comme... Puis là, j'étais comme, man, arrête de tomber dans le piano, c'est pas drôle, puis là, je suis le piano, man, je suis le piano! Fait que, ouais, il y avait des affaires fucked up, là, il y a un gars qui avait perdu l'usage de la parole, là, fait que t'étais comme... Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est quoi t'essaies de nous dire? On dirait dans le Loot Wall Street là, quand ils étaient les gars. Ah. C'est exactement ça, ils paniquaient parce qu'ils genre, tu sais, ils étaient tous là, mais genre. Fait que, oh, c'était... Man, ouais, non, il y a eu des crises de mon fou rire.
Ça a été malade, vous commencez à y pisser dessus pendant que tu parles. Ta gueule, le retard. Watch out dans une minute, mais qui se réveille, par exemple. Calice, vous m'avez pissé dessus, mes esti de chien. Non, c'est pissé dessus. Ah ouais, c'est vrai. C'est... Ouais, c'était pissé dans la face, pis c'est Jean, c'est C'est sûr qu'il te croit, en plus, là, il y a aucune preuve. Moi, c'était poche, mon buzz, là, c'était genre juste, j'étais comme assis sur une chaise, pis j'avais le côté droit de mon corps qui sur le... Qui s'élevait, genre, pis mon côté gauche qui renfonçait, si tu veux. Ouais, fait que j'avais juste l'impression, genre, de comme monter. Genre, c'était weird, mais c'était pas autant nice que mes amis. Là. Mes amis, ils ont vraiment perdu la carte. Là. Ouais, mais ça affecte une partie du cerveau en particulier, je suis sûr, parce que tout le monde, à peu près, on le sentiment, ben, que j'ai vu, là, on le sentiment soit de renfoncer d'une manière ou d'une autre dans ce dans quoi ils sont assis, ou genre, okay. C'est comme tu perds un peu tes repères, genre, comme on dirait que c'est fucked up, man. C'est fucked up comme drogue. Mais ça, je le conseille fortement. Ça doit être fucked up. Non, mais ouais, les dernières commençaient à être de plus en plus hollées, là. C'était. Ouais, les premières, c'était comme la première que j'ai faite. Fouille-moi pourquoi, mais j'étais dans le sofa d'un de mes chums. Là, il me fait son hit. Il me dit de garder ça 30 secondes. C'était quand même fort, là. C'était de la 80X ou quelque chose de même. 80. Ça partait de 10, je pense, puis ça allait à 120. On était à 80, quelque chose de même. Je suis pas certain, là. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Puis, ouais, le premier trip que j'ai fait, j'étais dans le sofa, j'étais pas capable de bouger, genre. Puis il y avait juste ma tête que j'étais capable de bouger, puis j'étais comme, fuck man, il y a un plancher d'accrocher à ma vision. Parce que je voyais que, genre, où est-ce que, tu sais, genre, littéralement, où est-ce que je voyais, là? Genre, j'étais comme, il y a un plancher qui suivait. Comme ma ligne d'horizon, là. Ah, fait que tu voyais pas en dessous, genre? C'est comme si je créais une nouvelle ligne d'horizon en voyant. Ouais, c'est comme genre, si je mesurais 2 cm. Non, mais c'était juste weird, man. C'était comme, on dirait qu'il y a un plancher d'accroché à ma vue. Puis genre, ça bougeait de même, genre, quand je bougeais. Puis là, j'étais comme, what the fuck, man? En tout cas, Fait que, ouais, c'était nice. La première fois que j'en ai fait, en plus, c'était pas une bonne idée, là. J'étais genre... C'était le lendemain de la Saint-Jean, je devais avoir genre, je sais pas, 17 ans, genre. Puis j'étais comme, on avait fait du speed, on avait pas dormi de la nuit, genre. J'étais rendu comme 11h le lendemain, puis il fait, hey, j'ai de la salvia, tu sais qu'on fasse ça, puis là, on est comme en rond. J'avais pogné une puff, tout le monde me check, mais j'ai déjà le cœur qui pompe déjà vite. Fait que là, ça a juste, on dirait, ça a juste comme accentué ça, là. J'étais juste comme assis dans une chaise, puis je stressais en prenant ma puff, puis je me suis juste assis, puis je voyais ma vision qui faisait genre ça de même, genre comme si, mettons, je reculais. Fait que, mettons, je chantais comme si, mettons, les places où j'étais à côté de sa chaise étaient en train de reculer comme ma vision, genre. Fait que ça me faisait mal, comme si c'était en train de rentrer dans la chaise, genre. Mais ça me faisait legit mal, genre, comme si, mettons, quelqu'un me tirait, genre, vers la chaise, genre. Ah, man. Ça a duré 2 minutes, puis c'était tout. Puis j'essayais d'avoir la normale, parce que je voyais tout le monde qui me regardait, puis t'es gelé. pour vrai, j'aimerais ça. Ah, man, ça serait tellement drôle qu'à tour de rôle, on fasse la salvia, puis notre challenge. C'est d'essayer de commander une pizza. Genre, quelqu'un qui compose, puis tu lui donnes le numéro, puis il faut qu'il fasse une commande de pizza. Genre, péter sa salvia. Genre, comme. C'est clair que ça arrive pas, là. Oh, man, ça serait. Tu commandes un cabanon, au pire, là, mais ça arrivera pas. Faut que tu essayes le plus fort que tu peux, man, de fucking commander une pepperoni fromage. Ça serait malade. Oh man, c'est que j'aimerais savoir ce vidéo là. En tout cas. Vous êtes-vous trouvé des nouveaux talents ou des nouveaux hobbies pendant le confinement? Ben, me crosser longtemps. Non. Oh yeah! Ben, je sais pas. Ouais. J'ai mal aux peines. Ah, je sais pas, y a-tu. That's right. Non, c'est une joke. Oui, j'ai une blonde. Fait que... Non, c'est elle. Mal au poignet. Non, oh, il veut juste se faire crosser, tu te suces, non. Non, mais pour vrai, non. Même, je dirais que j'ai moins. En ce moment, j'ai moins de. Ben, en fait, surtout le premier confinement, on dirait que j'étais tellement nerveux que j'avais pas tant envie d'avoir du sexe tant que ça. Les premiers temps, là, ça a été long, genre un peu. On dirait que, je sais pas, j'étais trop nerveux, puis ça me tentait juste même pas, là, en fait.
Pas en tout. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Non. Pas en tout. Chris, moi, pas. C'est le contraire. J'ai appris à 2007 à cause du confinement. Donc, j'ai eu le temps de me découvrir actuellement. Là, maintenant, okay. Wow, c'est le fun pour ton ex, hein, ici. Non, non, ici, on s'est vu il y a 2 semaines, puis j'ai dit, genre, puis j'étais comme, mais où are you? Je te reconnais plus, ça m'a même pas ça. Comme, j'ai eu beaucoup de temps pour m'occuper de moi-même. Ah ouais, nice, good job. Ouais, c'est que... Oh, that's it. J'ai eu le temps de en main. Ah, mais c'est cool, ça. T'as appris quelque chose? Moi? Ouais. Comment t'as-tu stimulé ta propre... Commencé à peindre, je pense. Moi, ouais. Hein, j'ai un Picasso drap là. Tu fais de la poterie? Non, non, mais j'ai fait ce que je pouvais faire là. Pendant le confinement, j'ai travaillé puis allé à l'école. Fait que, ouais, j'ai rien. T'as acheté une git? Ouais, une git là. Tu sais ça? Comme je sais pas. T'as acheté une git? Une strato? Je sais pas en faire par contre, ça va faire. Tu sais, quand acheter une git, faut que tu saches en faire absolument. Mais bon. Capable... Ok, fais un sol. Tu es capable? C'est ça un sol? C'est un G. Ça, c'est quoi ça, un sol? Ça, c'est un mi, ça. OK, fait que ça, c'est quoi de bas? C'est un ré. Ça, c'est quoi de bas? C'est un la, j'imagine. Ah. Ça, c'est le solo de Jimi Hendrix. Voilà. Oh, ouais, c'est dans quelle tune, ce solo-là? C'est dans la tune cachée par son manager qui s'appelle Raymond. Ah oui, qu'est-ce que tu l'histoire de Raymond? Ben oui, si Raymond Ray. Est arrivé, mon gars, puis il est arrivé. Bang, bang, boom, bing. Et voilà. C'est aussi absurde que ça. Ça se... Il parle-tu hey, tout le temps de même? Oui, constamment. Raymond, ça. Est-ce que Raymond fait juste parler en onomatopée un peu? C'est genre, bing, bang, boom! Bang, 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 bang. Ouais, bonjour, monsieur, on vient pour signer Jimmy. Bang, bang, bang. Et là, c'est un sim dans le fond. Là. Oh, wow. Ah oui, oh oui. Oh wow. Ellie, elle joue à ça right now en plus. C'est le fun, les Sims. Je joue à ça. C'est hot quand on est sous et qu'on leur invente des vies. Ah hey, non, mais OK, non. Tu sais que tu sors que je suis fait pendant le confinement. Oh. Ouais, vas-y. Il y avait les. J'ai réussi à avoir les Sims 4 gratuits. C'était comme. Ça venait avec une promotion, whatever. Fait que je jouais aux Sims 4. Puis j'étais genre, gros, si je suis en confinement, toi aussi. Fait que là, j'ai fait. Je l'ai écrit ça dans une maison. Puis j'ai fait des tranchées tout autour de la maison. J'ai ôté toutes les fenêtres. Toi, tu sors pas de suite, mon tabarnak. Fait que là, mon truc, c'est que là, je m'en ai un peu fucké. Là j'arrivais, fait que là, j'appelais des livreurs de pizza. Puis quand ils arrivaient sur la porte, ben, j'ôtais, fait qu'il peut plus sortir. Wow. Puis je mettais une toilette dans le sous-sol. Fait que je dis, Chris, ce livreur-là va avoir un goût de pizza à un moment donné. Quand il y a un goût de pisser, il est dans le sol, puis j'ôtais à la porte, fait que je les embarrais dans le sol. Fait que ouais, j'étais rendu un genre de repos magnata, mais des... Tabarnak, t'étais un scientifique nazi, ouais. Mon gars. Ouais. C'est dangereux. Tabarnak. Moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à apprendre pendant le confinement, mais que j'ai comme un peu abandonné après une semaine, c'est fucking tough, mais genre, je voulais apprendre à casser les verres avec ma voix, genre. OK. Ah, oh, ouais, ta gueule. Ah! Genre l'ultrason? Oui, sauf que c'est fucking plus tough que ce que je pensais. Hey, j'ai abandonné. Pour vrai. Ah, ça existe genre, pour si vrai. Si vous avez d'autres. Ah, ouais, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, puis genre, il y a des explications, puis tout. Genre, tu peux même utiliser, tu sais, comme l'affaire pour accorder ta guitare, là, pour trouver la note parfaite. C'est quoi mais, la ouais, note? C'est trop tough. Non, mais c'est facilement trouvable, Marco. Je ouais. Tabarnak, je pensais que c'était genre une affaire de film ou. En plus, je savais que ça allait t'allumer, Marco. Prochaine fois, tu viens chez nous, on va essayer. C'est sûr, je vais essayer ça. Yes, sir. C'est sûr, man. Tu peux briser des choses avec ta voix, man. C'est insane. C'est nice, genre, dans le fond. Hey, man, à côté de ça, sabrer une bouteille, c'est fuck all. Ben non, c'est des amateurs. Hey, imagine-toi sabrer avec ta voix juste. Oh, man. Hey, man. C'est l'équivalent de faire du go-kart avec un lance-flamme, Carlis. Man, tu pètes la vite avec ta voix, Chris. C'est insane. Mais c'est sûr tough, que Steven Tyler de Aerosmith, il ouvre ses bouteilles juste de même. Juste comme. La bouteille, il pète dans la face. Puis il est comme, yeah. Il reste juste une gorgée, monsieur. Ma Carlis, c'est malade. Non. Mais tu t'es mis au poker aussi, Max? Ouais. Tu joues encore? J'ai recommencé un peu plus ces temps-ci. Ouais. J'ai fait le Sunday Million le dimanche. Ouais, ok, le Million. J'ai t'es arrivé fait, combien de times? J'en ai fait deux, j'ai fait lui parce qu'il était half price cette semaine. Ouais, je sais, j'ai essayé le Sunday Storm.
Puis j'ai essayé, lui, il y en avait un à 50$. Je me suis dit, oh, why not, let's go. Puis ouais, ça n'a pas bien été. T'as pas déclassé? Non. Ouais, c'est correct. Mais ouais, j'essaie de recommencer tranquillement. Là. Ah, tu tombes déjà après le podcast, mais j'ai recommencé à être chanceux en plus. Dernièrement. Oh, j'ai recommencé à être chanceux. Ben non, mais c'est parce que t'as des up and down de chance. Des fois, t'as aucune main tout le long du tournoi. Puis des fois, quand mettons, tu te crées en ligne, tu perds tes coin flips. Ou même si t'as l'avance, tu perds. Parce que le monde ne comprenne pas nécessairement. Ben, je sais pas, moi, au poker, moi, c'est tout été une seule chance. J'ai aucune fucking chance. J'avais une chance en 2010-2011, puis après ça, en fait, genre, gros, des calices. Genre, je joue au poker, puis j'ai même plus de fun. Je suis genre, bon, mais qu'est-ce qu'elle met de mal de m'avoir, puis, hey, voilà, tout. Ouais, non, mais c'est parce que t'as cette mentalité-là que t'as pas de patience. Fait qu'au sûr que t'as une main. C'est parce qu'à base de jouer beaucoup de petites mains, tu joues des mains et tu t'investis dedans. Fait que quand tu joues une main, tu veux pas lâcher. Fait que c'est ça qui fait que genre. Ben non, je sais comment lâcher. C'est juste que. Non, je pense que j'ai juste plus de fun au poker. Ouais, c'est, donc, ben, c'est peut-être. Mais force au jouer au poker pour jouer avec vous autres, mais après ça, je suis genre ben. Non, c'est bien correct. On fera d'une scène deux scènes d'abord. Ça coûtera pas cher. Ouais, okay. Mais petite anecdote, je faisais le Thunderstorm justement la semaine passée. Puis Steve, genre, je suis arrivé sur la même table que Patrick. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais. Genre, pis, drôle, là, hein? Pis on commence à faire un heads-up, genre, pis là, moi, je réalise pas, plus non plus. Pis là, il me bat, pis là, je regarde son nom, je fais, Chris, c'est pas tabarnak, man. Genre, c'est comme, pour vrai, il y a 22 000 joueurs dans ce tournoi-là, pis je tombe sur un de nos amis, là, c'est trop random. Fait que, j'ai envoyé du caca, il m'a envoyé du caca, c'était malade. Ah, c'est drôle. Moi, je me suis rendu dans les places payées, mais j'ai pas fait tant que ça. Je pense que c'était 5$, pis j'ai fait comme 15. Ouais. C'est souvent ça. J'ai fait 10$ US. Mais c'est de loser. C'est des ailes de poulet, ça. C'est oui. C'est peut-être c'est même. C'est boîte d'ailes. Ben oui. Oui, c'est Donc, je te garde pour qu'elle parte dans 5 minutes. Ouais, il faut que j'aille porter des. Hey, je m'en vais. Faut-tu porter des bouteilles vides, c'est ça que t'as dit? Des boîtes. Okay. Non, je suis en train de déménager, fait que je m'en vais porter une boîte. Si tu veux, on peut fermer l'enregistrement puis continuer de parler après, si tu veux. Faut que je m'en aille. J'ai pas Internet, je m'en vais. Non, c'est ça, mais je parlais okay. À Marco. Oui, on peut faire ça. Mais c'est ça, dans le fond, je vais finir là-dessus. Finalement, une dernière question, mettons, pour tout le monde. Ça serait quoi le show le plus décevant que vous aviez vu? Puis ça n'a pas besoin d'être un show d'humour. Là. Souvent, mettons, mes questions à la fin sont orientées vers ça. Mais ça peut être n'importe quoi, mettons. Ça peut être même une activité décevante que vous aviez faite quand vous étiez jeune ou whatever. Là. Pensez à ça. Ou pas, je vais starter, moi. Moi, mes parents, Phil, va s'en rappeler. Ils nous ont amené voir Cavalia. Ah, c'est quoi? Ouais. C'est un show. C'est un show avec un homme puis des chevaux. Puis Chris qui n'allait pas réfléchi. En tout cas, non, elle y allait pour elle, je pense, parce qu'elle, ça l'intéressait. Puis, on avait genre. Elle voulait nous partager ça, mais. Et ben, ça a pas marché, quoi. Mais là, elle passait son temps à nous donner des coups de coude. Genre, nous autres qui riaient. Ouais, moi, puis Marco, on riait parce qu'on pensait que le gars voulait enculer ses chevaux tout le long. Genre, t'es comme, ce monsieur-là, ben, trop envie d'enculer son cheval, calice. Ah ouais. Il est là, puis il french un bout dans le show, pour vrai. Genre, il se donne des becs, puis comme il donne des becs à la langue. Ouais, je te dis, là, puis ça dure 30 secondes. Puis c'est un vrai 30 secondes. C'est pas une exagération, là, c'est un vrai 30 secondes. Puis là, moi, Marco, le restant du show, on était comme, genre, check ça, man. Tu l'imagines-tu, genre, là, il sort sa queue, man, puis commence à vouloir se faire licher le pénis par son cheval. C'est qu'on trouvait ça drôle, man. Ouais. Là, notre mère était là, genre, puis elle essayait d'embarquer, là, puis elle était comme, ah, oh, mais là, j'ai payé mes billets, si je les entends juste parler de lichage de pénis de cheval. Puis là, genre, oh, man, c'est drôle. Ah, parce qu'en plus, elle avait pogné des billets VIP. Fait que, genre, avant, on avait un genre de canapé ou je sais pas trop. Puis après, tu Non, on n'avait pas comme un canapé. On n'avait pas genre un divan pour non. 50 personnes. Mais il y avait de quoi avant? C'était des amuse-gueules. Ouais, mais on revenait du resto, anyway. On avait ouais. Dû manger. Là. Mais genre après, ils nous amenaient dans un genre de loge, des chevals. Là, on était comme, c'est ça qu'on va rentrer. Le gars va être en train d'enculer son cheval. Non, mais c'est parce que les loges des chevaux, pendu deux secondes, c'est pas des stars, câlisse. Ils vont se faire tuer dans deux ans parce qu'ils ont pété une patte. C'est quoi les hosties de stars? Arrête, c'est ça, qu'on s'en câlisse. Les loges des chevaux. Ben oui, bravo, le gars. On va-tu voir les chevaux?
Chris, on va-tu voir? On va-tu au pet shop à la place? Est-ce qu'ils vont avoir plus de variété? Si tu veux, j'en ai à chier de tes calices de chevaux. Ah, oui, c'est clair. C'est clair. Ah, oh, man, hey, des chevaux. On va aux pommes, puis je suis même pas saisi, calice, de voir ça dans le champ. Est-ce que tu veux, ça me crisse sur une cage en métal? Tu sais, ah, il est dans son box. Ah, là, il se fait peigner, là. Ah, mais calice, tant mieux pour le cheval. Ouais, c'est ici que les chevaux se reposent après le spectacle. Nice. Ah ouais, c'est ici qu'ils se reposent. Nice. C'est drôle. C'est clair que si j'avais été voir Cavalia, ça serait ma réponse aussi, c'est sûr. Ah, man. Ah, pour vrai, on rirait en esti. Ouais. Non, c'est ça. Hey, imagine-toi Cavalium avec les Denis de relais. Est-ce que ça serait cœur, hein? Juste genre Denis qui est comme, hein, belle graine, ça? Comment ça. Parce que moi, je trouverais ça drôle. Vous autres, vous rappelez-vous d'un événement ou de quoi vous avez fait? Moi, le premier qui est en tête, mais c'était le dernier show de Louis José, j'avais été déçu. Ouais? Ah oui? On était ensemble en plus, je pense, non? Hein? On était ensemble en plus, je pense. Ouais. Mais tu sais, c'était pas mauvais, mais non. Pour vrai, j'ai été relativement chanceux. Musique, me semble, ça a toujours été bon. Mais tu sais, musique, tu connais le band, genre, pis t'es fan, genre. Fait que quand tu vas voir le show, habituellement, c'est rare que t'es fucking déçu, là. T'es déjà content. Mais même si tu connais pas en show les bands, là. Ouais, c'est ça. C'est toujours nice. Il y a toujours une ambiance. T'es toujours en train de faire des chins avec du monde que tu connais pas. Comme, yo, man, esti, hey, j'aime ton t-shirt, hein, 1976. Genre, il y a de quoi de vraiment nice dans les shows. J'aime penser que le gars, il est juste marqué 1976 sur son chandail. Il n'y a pas de spectacle. Hey, 1976, Chris de bonne année, ça, mon chum. Oh, on est allé voir la rétrospective de 76, là. L'Olympique, les Olympiques à Montréal, puis tout. T'as le fun. On a vu la construction du stade olympique. T'as vraiment le fun. T'as mal. Ben moi, il y a un show que je suis déçue, c'est Roger Waters, qui s'en vient, mais qui a été reporté à cause de la COVID. Fait que, ouais. Il est en pleine vibe, j'espère qu'il ne va pas crever du là. Ouais, on espère. Je risque pas de refaire du moche cette fois-ci, par contre, c'est trop intense à la dernière fois. Ah ouais, ça faisait beaucoup. Ben, si tu prends juste 2-3 petites branches, ça va être plus nice. Je l'avais fait en dedans, mais... Non, mais... Ah, ouais, c'est pas intéressant. Centre Bell, il y a 1 million de personnes, mais t'es genre... Ouais. Ouais, j'avoue qu'en plus, ça change pas. Ouais, c'est le moche, c'est moyen, là, c'est ça. Le show, il était nice, mais... L'avant-show, puis dans le sac, c'est... Mais c'est... Celui que tu vas voir, c'est quel album qu'il fait? Je m'en fous, je veux juste aller le voir. Ouais. Ah, j'aimerais ça aller le voir. C'était pas genre 200$ un billet... J'irais peut-être. Parce que le mec, ça doit être un esti chaud pour eux. Ah, ça rock. Ça vaut la joie. Ouais. Ouais. Tout Mathieu? Non, moi, honnêtement, j'ai pas grand. J'ai vu le premier show de rock que j'ai vu quand j'étais plus jeune, c'était Dream Theater. C'était gratuit, puis je connaissais pas le band. Ah ouais. Je sais pas si c'était une déception parce que je connaissais pas ça ou parce que genre je m'en crissais, mais. C'est de l'estime de merde, peut-être. Ben non, moi j'avoue. Ben je connaissais pas. Non, non, je connais pas ça. J'avais peut-être 14, 15 ans. Puis j'étais avec deux de mes amis qui sont assassinés tout au long du show. Fait que moi j'étais tout seul, les deux s'assassinaient. Puis j'étais genre, bon, ben Chris, je vais voir un bon que je connais pas. Plus mes deux amis s'assassinent pendant tout au long du show. Fait que. Ouais. Chris. Mm. Ça me fait penser. Je t'allais voir Maiden avec mon ami Fred, que je salue si jamais il écoute. On est allé voir Maiden, puis en première partie, c'était Dream Theater. Puis là, on arrive en avant du Centre Bell, on fait hey, on va-tu voir Dream Theater? Ou bien on va boire de la bière gratis en arrière du dépanneur. T'allais boire de la bière en arrière du dépanneur. Quelle bonne solution! Ouais, mais on est allé voir Maiden après, c'était fucking bon. Là. Ah, en même temps, c'est parce que les bières sont 11$ là-bas, puis on devait avoir genre 18-19 ans. Mm-hmm. Tu sais, je travaillais dans une fucking pizzeria, puis au Saint-Hubert. Là. Mm-hmm. J'avais pas les moyens de brosser à 11$ la bière. Là. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, le spectacle le plus décevant que j'ai vu. À peu près toutes les shows de talent. Tu sais, là. Ça, c'est probablement les. Mais c'est pas pour le show à ma blonde, mais pas pour ma blonde. Ma blonde, j'avais aimé ça, c'était super bon, mais il y avait
une madame qui était là juste avant, OK, avant, ben pas juste, juste avant, mais dans le spectacle, OK. Elle ouvrait le show. Elle s'appelait comment déjà? Elle s'appelait... Colette. Elle s'était donné un nom d'artiste, OK, puis elle était vraiment chiée. Une madame de comme 42 ans, là, c'était... mettons, son nom, c'est Valérie, mettons, puis son nom de scène, c'était Valéria. Fait que là, elle avait son esti de clavier, man, puis elle chantait, puis « Je chasse les anges qui parlent, c'est la peur du silence. » Oui, c'est vrai, c'est elle qui chantait. Ah, c'était fucking weird, man. J'ai brûlé mon présent. Je te liesse pas. C'est exactement ça. Puis le pire, c'est que moi, je suis là, puis il faut... Tu sais, j'étais avec mes parents, Marco, mon beau-père et ma belle-mère. Je peux pas rire, là. Je ne peux pas commencer à rire pendant le show, mais là, Marco, il est là, puis je vois les épaules qui sautent, puis c'est à côté de lui, puis je suis comme, t'as vendu un compte de gueule, moi, je m'en retiens de même, esti, comme toi, ah ben... ça va céder, esti. Puis là, genre, il m'a amené à faire, justement, à chanter cette crise de tune-là, puis seulement pour un titre! Puis genre, Marco, je te niaise pas, il crache sa bière. Genre, littéralement, genre, il entend ça, puis il fait juste. Et toute sa bière sort de sa gueule, elle sait que le monde qui était avant nous autres se sont virés. Là. J'ai été chanté, personne n'a pas mangé. Le pire, c'est que le gars, il y avait un gars qui s'est reviré que j'ai remarqué en particulier, puis ce gars-là s'est reviré parce que c'était le prochain à passer. Puis il devait se dire comme tabarnak, man, c'est une tough crowd. Tough crowd. Tough crowd. Tabarnak, ah, mais... il m'a fait un esti humilié. Esti, je riais, puis il y avait juste ma mère qui me flottait le dos parce qu'elle comprend. Tu sais, genre, j'étais comme juste là, puis genre, on dirait, je suis bas. Tu sais, quand tu prends un esti de fou rire, là, mais genre, tu sais que tu peux pas le. Puis il y a juste ma mère qui me flottait le dos, genre. C'est beau, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ma mère est pareille comme Marco. En plus, elle a un peu le même œil sur les choses. Honnêtement, tout le monde aurait vu cette chose-là de la même manière. Ben, le tabarnak. Mais c'était juste comme, garde-moi avec, j'ai le goût de rire, puis de Steven, j'ai le goût de la niaiser à madame, mais Chris, tu peux pas. Tu peux pas. Qu'est-ce que je te dis? C'est fucking chanceux pour elle. La rangée en avant de nous autres, il n'y avait personne. Bon, ouais, il y avait personne. Il y avait une rangée l'autre avant, là. Sinon, c'est sûr que le monde aurait tout reçu ma bière dans le nuque. Là. Ouais. Genre, pour vrai, ça a comme parti, tu sais, comme. C'est mettons. Hey, man, puis c'était fort, serrées, là. Puis ça fait c'était genre, fort, fort là. Tout le monde a entendu, là. C'est sûr et certain. Là. Ouais. T'entends juste, il y a un gros silence de malaise de tout le monde sortir de pas chier d'un culotte tellement qu'ils ont le goût de rire. Puis t'entends juste. C'est comme Chris, man. Man, mais moi, ça m'a fait très rire. Dans le fond, c'est comme un des meilleurs spectacles. C'était malade. C'était le pire en même temps. Le show commençait, c'était malade. Le 50 cucs qui racontait des contes inou. Tout le monde, après ça, fait de la musique. Là. Et elle a fait OK, moi, c'était clairement pas une étudiante. Là. C'est juste une madame qui fait partie de l'organisation qui a fait « Ah, moi, je vais aller raconter mes contes inou. » Donc là, elle racontait une astuce contes inou. Mais la petite fille, elle ne pensait qu'à plap-plap-plap. Puis genre, elle racontait avec l'intonation comme si elle parlait des enfants. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que la manière qu'elle finissait ses contes... à chaque fois qu'elle finissait ses contes, c'était comme... Elle prenait un petit ton comme... Genre, tu sais, elle était là puis elle disait comme « Et le soleil s'endormit. » Comme si on pouvait pas imaginer... C'était quoi la fin que ça a l'air? Comme si c'était genre comme. Hein, vous pensiez c'est pas que ça se pouvait, hein? Ouais, mais c'est parce que. Vous plus, attendiez ça pas à ça? Mais en plus, ce qui était écœurant, c'est qu'à toutes les fois, ça se levait à la tête de même et était comme. C'est fini. C'est juste pour faire ça. Puis elle essayait d'avoir l'air charmante puis genre coquette en le disant. Là, c'est comme. Ah, mais c'était weird. Tu là, genre, tu vis ton rêve, c'est-tu, d'aller compter des continus à du monde. T'as genre 50, c'est genre du monde du cégep, c'est-tu, qui joue de la musique, là. Ah, man, c'était... Puis on commençait avec ça, c'était le pire pacing de show que j'avais jamais vu de ma tabarnak de vie. Eux autres, leur idée, là, c'est on dit, on va prendre tous les numbers de marde, on va les mettre au début, on va s'en débarrasser. C'est sûr que c'est ça. Fait que là, le show commence, puis tout le monde est comme, OK, 15 minutes de continu, what the fuck? Puis après ça, c'est genre Valéria tabarnak qui nous chante son esti de marde qui sort de la gorge, puis away, puis man, c'était tout un spectacle. C'est mon spectacle, je pense, que je choisirais celle-là. Et en tout cas, je pense qu'on va finir là-dessus, la gang. Merci, Gab, merci, Max, de vous être joints à nous. Ouais, c'était cool. Yeah! Sinon, le mot de la fin, Mathieu? Je suis allé voir un gars qui s'appelle Raymond! OK, ben attends, je vais te plugger des affaires, Gab, avant, là, je viens de voir. Ouais, j'ai un podcast à plugger maintenant.
Oui, let's go. Ben oui, ben oui. Good. C'est vrai. Allez, on a un podcast. On a full de fun à faire ça. C'est justement le but, c'est d'avoir du fun. Fait qu'il n'y a rien de cet été, là. En tout cas, bref, allez écouter ça. Puis aussi, j'aimerais ça vous expliquer, là, la prochaine fois que vous allez m'inviter, j'ai une idée à vous présenter. Je vais vous faire un quiz. Oh shit. Ah, nice. Hey, Gab, avant que ça aille, Gab, ouais. Pour le genre podcast, on a un bon projet. Je pense que t'es down pour le faire, ce qu'on a parlé récemment sur le chat, Messenger. J'ai plus Internet depuis un mois. Oh shit, t'es pas ouais. Vu? Shit. Bon, on s'en parle. Ben oui, ouais. Ben cool. Ben ouais, allez voir ça, sinon je déménage à Joliette, j'ai besoin d'aide pour savoir où aller découvrir les places. Voilà, Joliette, mais sans... Comment ça? Anyway, je connais un dude qui habite à Joliette. Je vais te mettre en contact. Raymond. Ouais, Raymond. Yeah. Ben, merci les boys. Merci Max. Hey, c'est merci Max, merci Gab. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis passez une belle semaine. Puis.